Bien, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je salue le public qui est présent. Avant de faire un mot d'introduction, vous indiquez que le rapport 2023-155, qui concerne un vœu présenté par les groupes de la majorité de soutien du réseau des missions locales relatives à France Travail, a été ajouté en urgence à cet ordre du jour. L'ensemble des présidents de groupe en a été informé lors de la conférence des présidents qui a permis de préparer ce conseil. Ce conseil municipal va commencer, comme à chaque fois, par un morceau d'orgue joué par Frédéric Slamancia. Et là, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une forme de best-of ou de top 50 de l'orgue municipal, puisque Frédéric nous propose de jouer le morceau qu'il joue le plus souvent pour les mariages. Ça, c'est pour votre connaissance personnelle. Et le morceau qui est le plus souvent joué, moi j'étais persuadé que c'était les Canons de Passchendaele, Frédéric Slamancia, mais en fait non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas Star Wars non plus, Madame Thouvenot. C'est... Il y en a d'autres qui veulent essayer ou je peux prendre une marche nuptiale. Non, c'est bien, c'est perdu, vous avez tous faux. Il s'agit de « S'il suffisait d'aimer », donc Céline Dion, écrit par Jean-Jacques Goldman. Maestro. Merci beaucoup. Donc je précise, ce n'est pas le morceau qui est le plus joué, c'est celui qui a été plébiscité dans les nouveaux morceaux que notre organisme pourrait jouer à la demande des futurs, nouveaux mariés. Donc c'était la première fois que Frédéric Slamancia le jouait. Il s'entraîne pour les prochains mariages, donc ça viendra donc en complément de la marche nuptiale et des Canons de Passchendaele ou de Star Wars. Finalement, vous aviez toutes et tous un peu raison. Monsieur Chabrier. Ah, je comprends. Bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal, que vous en soyez membre public ou que vous suiviez ce conseil via la diffusion sur Internet. Quelques éléments sur l'actualité. Stéphane Frioux a certainement l'occasion d'y revenir lors de son intervention sur le compte administratif pour Capitale française de la culture, mais nous venons de conclure par deux jours de travail la séquence Capitale française de la culture, deux jours de travail qui ont réuni plus de 500 personnes au TNP venant de la France entière pour échanger avec nous sur la question de l'accès à la culture pour les plus jeunes, des politiques culturelles et des politiques jeunesse. De la part des participants, il semblerait que c'était un succès. En tout cas, ça marque aussi symboliquement
la fin de Capitale française de la culture et le début, bien sûr, de bien d'autres choses. On aura l'occasion d'y revenir. Stéphane reviendra sur différents aspects du bilan Capitale française de la culture. D'abord, le bilan financier, vous le verrez, il est satisfaisant et maîtrisé, y compris un peu plus positif que ce qu'on avait communiqué à la presse précédemment, puisque maintenant on a vraiment l'arrêté des comptes définitifs. Le bilan humain, il appartient à chacun de se rappeler, de dire ce qu'il en a pensé, mais en tout cas au niveau de fréquentation et au niveau d'expression des Villeurbanais qui à 92% considèrent que c'était un très bel événement, on peut quand même considérer que c'est possible. Et puis par ailleurs, on a l'Observatoire des pratiques culturelles et des stagiaires de l'INED qui sont... L'Observatoire des pratiques culturelles a fini son travail, les stagiaires de l'INED sont en train. Ça fera aussi partie des choses qui viendront participer à l'élaboration de ce bilan. Et puis enfin, pour la ville, je crois que ça a fait bouger un certain nombre d'habitudes et de pratiques, plutôt en bien d'après les retours des uns ou des autres. Donc ça nous permet de continuer à écrire des belles pages des politiques culturelles de notre ville. Et je dis des belles pages des politiques culturelles de notre ville parce que, bien sûr, cette année Capitale française de la culture s'inscrivait aussi dans l'héritage déjà présent au sein de notre collectivité, mais est venue ajouter quelques éléments nouveaux. Et je pense notamment au mini-mix dans chacune des écoles. Voilà pour Capitale française de la culture, sur lequel Stéphane reviendra dans une allocution complémentaire à celle de notre adjoint en charge des finances de 9 minutes, Monsieur Friou, comme je voulais repréciser tout à l'heure, qui vous permettra de présenter tous les éléments de bilan. Un autre point, cette fois-ci, celui-ci est parfois un peu plus difficile à vivre au quotidien, un mot sur les grands chantiers qui traversent et parfois bouleverse notre ville. On a l'habitude de dire qu'un chantier, on l'aime quand il se termine. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la phase où on l'aime. Il y a beaucoup de chantiers qui sont engagés, vous le savez. Je l'avais aussi dit lors de mes vœux, notamment liés au tram, mais pas seulement, à d'autres projets de mobilité ou tout simplement à des projets liés au réseau de chauffage urbain. Ça m'a donné l'occasion notamment d'aller dans un premier temps à la rencontre des commerçants de rue Paul Verlaine et la rue Servet, puisque c'est un endroit particulièrement sensible avec la place et Grand Clément et l'avenue Général Leclerc aujourd'hui. On a mobilisé très largement le Citral et la métropole pour qu'il y ait un suivi coordonné au niveau de la ville. Bien sûr, il y a encore plein de points à améliorer, mais en tout cas, il y a une équipe qui est aujourd'hui dédiée pour suivre cela de très près. Alors, il y a des chantiers qui débutent, mais il y en a aussi qu'on commence à inaugurer. Je pense notamment au cas du projet Château à Croix-Luizet, dans l'ancienne résidence personnes âgées qui a été déplacée dans un bâtiment neuf. Il sera inauguré le 30 mai à 19h. Ce projet qui est à destination des personnes sans abri et qui a accueilli aussi d'autres types de personnes. Je pense notamment à des sportifs de l'ASVEL féminin Villeurbanne. Les habitants du château doivent pouvoir maintenant se maintenir sur le site s'ils le souhaitent, et à minima, ce sera jusqu'à 2025, mais on aura l'occasion d'inaugurer ce beau projet donc le 30 mai à 19h. Puis un autre projet sur les questions de solidarité, qui est celui de l'archipel sur le parking de la salle Raphaël de Barros, qui est lui autour de la solidarité et de l'alimentation, et l'inauguration se fera le 13 juin prochain à partir de 18h. Ces projets sont assez différents sur leur contenu, mais ils sont tous le résultat d'un engagement des différents partenaires sur la ville, d'une mobilisation des associations, de l'État et de la métropole. Et on est très heureux de pouvoir inaugurer des projets aussi innovants sur ce territoire. Ces engagements, bien sûr, continuent eux aussi, comme la culture, à s'inscrire finalement dans la tradition d'accueil de cette ville, d'attention et de solidarité. C'est aussi une manière de faire en sorte que dans les difficultés actuelles, celles et ceux qui sont le plus fragilisés puissent avoir des lieux de ressources. Je crois que ça participe à essayer de maintenir une capacité à vivre ensemble la plus supportable possible, ou en tout cas la plus forte possible. Voilà. Et puis les engagements de solidarité se traduisent aussi dans d'autres politiques publiques, notamment dans les actions qui sont liées à la lutte contre les inégalités et contre les discriminations, portées notamment par l'adjointe Madame Agathe Faure à travers sa mission transversale. Et j'en profite donc pour vous dire que notre engagement sera fort pour l'inclusion des personnes en situation de handicap tout au long du mandat, mais puisque c'est aussi un rapport qui sera présenté ce soir, ça sera l'occasion d'y revenir pour présenter
ces efforts continus pour l'inclusion qui sont faits à Villeurbanne, avec l'aide bien sûr très précieuse des partenaires associatifs et des premiers concertés qui souhaitent être mobilisés. Et je les en remercie. Voilà pour quelques mots d'introduction et je vous propose qu'on entre tout de suite dans l'ordre du jour de notre conseil municipal qui se réunit en présentiel avec le public. Il est retransmis, je l'ai évoqué, et je vais demander à notre secrétaire de séance, Madame Marwa Abdelli, de procéder à l'appel. Cédric Van Stuvendel. Présent. Agnès Touvenot. Présente. Paul Campy. Présent. Agathe Faure. Présente. Alain Brissard. Présent. Christine Goyard-Gutefin. Excusez, pouvoir à Muriel Bétan, mes excuses. Jonathan Boquet. Présent. Christina Martineau. Présente. Yann Krombeck. Présent. Sonia Tron. Présente. Mohamed Ali Mohamed Amada. Présent. Pauline Schlosser. Présente. Mathieu Garabédian. Présent. Stéphane Friou. Présent. Aurélie Loire. Présent. Olivier Gluck. Présent. Laura Gandolfi. Gaëtan Constant. Présent. Melouka Hajmimoun. Présent. Antoine Collia. Présent. Aurore Goriquet. Présent. Caroline Roger Sépi. Pouvoir Antoine Collia. Jacques Gernet. Pouvoir Morgane Guies. Il a envoyé son pouvoir et c'est moi qui l'ai. Daniel Carrasco. Lotfi Debèche. Présent. Muriel Bétan. Présente. Antoinette Butet. Présente. Catherine Anna Voisard. Présente. Marie Zarto. Présente. Béatrice Vessillier. Excusez, pouvoir Jacques Vince. Sylvie Donati. Présente. Laurent Kikerez. Présent. Cyril Hollande Groeneberg. Présent. Jacques Vince. Présent. Frédéric Vermelin. Présent. Zemorda Khalifi. Présent. Sébastien Chatin. Présent. Iklef Chic. Présent. Julien Ravello. Maxime Jourdan. Antoine Pelcé. Présent. Oups. Maxime Jourdan, oui. Antoine Pelcé, pardon. Présent. Floyd Novak. Présent. Katia Duboucher. Excusez, pouvoir Jonathan Boquet. Morgane Guillas. Marwa Abdelli, présente. Prosper Caballo. Présent. Loïc Chabrier. Présent. Virginie Demars. Présent. Sabrina Benaïm. Présent. Marez Benadj. Présent. Émilie Prost. Présente. Stéphane Colson. Présent. Anaïs Dosting. Présent. Lucie Mastrolorito. Présent. Marc Jouz. Présent. Merci. Merci. Donc la feuille de présence va circuler pour que vous puissiez la signer. Je vous annonce la date du prochain conseil municipal le lundi 3 juillet à 17h à l'hôtel de ville de Villeurbanne. Et donc nous commençons par le premier des rapports qui est le compte-rendu des décisions prises par... Pardon, est-ce qu'il y a des remarques d'abord sur le procès-verbal du précédent conseil municipal ? S'il n'y a pas de remarques, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Et donc ensuite, le premier rapport, c'est le compte-rendu des décisions prises par M. le maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Il est adopté. Alors, on passe au compte administratif, sachant que les groupes se sont mis d'accord pour une présentation conjointe des rapports 120, 105 et 126, qu'il y a deux demandes d'intervention, une intervention groupée pour l'ensemble des groupes de la majorité, une intervention pour Villeurbanne progressiste, et qu'en plus du compte administratif, il y aura une présentation par Stéphane Friou d'un bilan spécifique sur Capitale française de la culture, à la fois financier, mais aussi...
qualitatif. Et comme vous le savez, je quitterai la salle lors du vote sur le compte administratif. Et je vais laisser M. Jonathan Bocquet présenter les rapports. Merci M. le maire. Chers collègues, nous devons ce soir présenter effectivement le compte administratif de l'année 2022. C'est un document qui récapitule l'ensemble des recettes et des dépenses intervenues au cours du dernier exercice budgétaire, qui retrace les réalisations de l'année et va nous permettre d'analyser l'état des finances au 31 décembre 2022. C'est l'occasion de vérifier que les arbitrages budgétaires initiaux et les décisions modificatives qui ont été votées en cours d'année ont été respectées. Et c'est aussi l'occasion de mesurer l'évolution des finances entre 2021 et 2022. Avant de démarrer la présentation des données les plus révélatrices de ce compte administratif, permettez-moi d'abord de rappeler les éléments contextuels, même si on a eu l'occasion d'en parler régulièrement dans cette Assemblée. D'abord, 2022 a été marqué par l'inflation, hausse du coût de l'énergie, augmentation du point d'indice, augmentation du coût des denrées alimentaires parmi l'ensemble en fait, des denrées. Et on ne peut pas comprendre l'augmentation des dépenses de fonctionnement sans prendre en compte ce contexte. Ensuite, il faut aussi rappeler que 2022 a été l'année CFC, et c'est pourquoi d'ailleurs, effectivement, mon collègue Stéphane Friou prendra la parole, une fois n'est pas coutume, sur les enjeux budgétaires et financiers, mais pour parler plus largement du bilan de cette année capitale française de la culture, qui a amené une programmation culturelle exceptionnelle et donc des dépenses exceptionnelles. Une fois qu'on aura mis en évidence les effets de contexte, on pourra plus sereinement et plus objectivement revenir sur les choix politiques municipaux qui ont été faits et leurs effets sur notre budget. En particulier, il faut tout de suite constater qu'en 2022, nous avons atteint un niveau record en dépenses d'investissement, avec pour effet une augmentation de l'endettement qui demeure à un niveau soutenable. Cette diapositive présente l'équilibre et le résultat réel de l'exercice. En fonctionnement, les recettes s'établissent à 178,18 millions d'euros. Donc elles sont en hausse de 6,6% et les dépenses s'établissent à 148,42 millions d'euros. Elles sont donc en augmentation de 11,1%, ce qui nous donne un excédent de fonctionnement de 27,75 millions d'euros. En investissement, les recettes s'élèvent à 24 millions d'euros, dont 10 millions d'emprunts, et les dépenses à 61 millions d'euros, ce qui nous donne un solde négatif de 37 millions d'euros. Pour comprendre cette diapositive, il faut procéder ligne par ligne. D'abord, comparer les dépenses réelles de fonctionnement aux recettes réelles de fonctionnement. Donc, on a un différentiel de 27,75 millions d'euros d'autofinancement. Ensuite, comparer les dépenses réelles d'investissement et les recettes réelles d'investissement. Là, si on enlève les emprunts remboursés aux nouveaux emprunts, on a bien un différentiel de 37 millions d'euros. Ensuite, il faut retrancher les dépenses restes à réaliser et les recettes restes à réaliser. Et donc là, le solde négatif des restes à réaliser s'élève à 20 millions d'euros, 20,28. Et enfin, prendre en compte le résultat excédentaire 2021, à savoir 29,64 millions d'euros, ce qui nous permet d'afficher un compte au compte administratif, un résultat cumulé de 0,12 millions d'euros. Et l'affectation du résultat sera détaillée dans une diapositive à suivre. Sur le taux d'autofinancement, donc le rapport entre l'autofinancement et les produits de fonctionnement dégagés par la ville au titre de l'exercice 2022, il est de 15,75%. On voit donc une dégradation par rapport à 2021 qui était à hauteur de 19,13%. Le recul de cet indicateur, il était prévisible pour nous, on l'avait annoncé, pour deux raisons qui se cumulent. La première, c'est la volonté politique, la volonté municipale d'une consolidation de nos politiques publiques, et donc le choix assumé d'accroître la mobilisation de nos ressources. La seconde, c'est l'effet conjugué d'ailleurs, d'une part du contexte économique, d'autre part du contexte réglementaire, avec l'inflation d'une part, et d'autre part les effets notamment de politique sociale. On y reviendra quand on évoquera le chapitre 13 sur la masse salariale, mais en gros c'est une double mécanique. La ville a mis en œuvre un certain nombre de mesures sociales, celles qui étaient prévues dans le programme municipal, entre autres. Et d'autre part, il y a les effets des mesures nationales. On peut évoquer le Ségur, on peut évoquer aussi l'augmentation du point d'indice. Tout ça a des effets conséquents sur la masse salariale.
Plutôt que l'autofinancement, il convient de se référer surtout à l'épargne brute retraitée. Or, sur la diapositive, on voit clairement que cet indicateur nous montre la même tendance, avec un recul à 15,7%, un recul qui nous permet d'être quand même au-delà des taux atteints entre 2015 et 2017. Sur la diapositive suivante, on voit l'évolution des recettes réelles de fonctionnement par nature. Elle s'élève à 176,18 millions d'euros, donc une hausse conséquente et structurelle de 6,6%. Dans le détail, on a les produits des services et du domaine portés par les recettes liées au secteur de l'éducation, qui dépassent, c'est intéressant de le noter, le niveau d'avant crise sanitaire. On voit aussi l'effet de la réouverture complète de nos équipements et la fin des exonérations des redevances d'occupation du domaine public qu'on avait appliquées au moment du Covid. Sur le chapitre 73, impôts et taxes, celui-ci progresse grâce au dynamisme des bases de fiscalité directe et du fait aussi de la modification du calcul de la dotation de solidarité communautaire qui avait été instaurée en 2022, la modification du calcul. Sur les dotations et participations, elles sont en hausse de 16,8%. Parmi les explications de la hausse, on a la compensation pour la scolarisation obligatoire des enfants de maternelle. On a les changements de dispositifs de financement et les effets de la sortie de crise sanitaire pour le secteur de la petite enfance, mais encore les participations reçues dans le cadre de Capital Française de la Culture à hauteur de 1 million d'euros. Le solde est lié au versement d'une compensation de la taxe d'habitation. C'est le dernier aléa de la réforme de la taxe d'habitation. Et on voit aussi l'effet de la hausse de la dotation de solidarité urbaine. Sur le chapitre 77, le produit exceptionnel, il progresse de 55%, et là aussi c'est un effet CFC, hein, puisque c'est sur ce chapitre que sont enregistrées la participation des mécènes. Sur la typologie des recettes réelles de fonctionnement, eh bien, on voit que la fiscalité directe constitue 58,6% des recettes totales, donc une part qui est en recul, puisqu'elle était à plus de 60% en 2021. Ça s'explique essentiellement par la progression plus rapide des autres recettes. Les compensations et dotations du Grand Lyon augmentent en raison de l'augmentation de la dotation de solidarité communautaire. Les dotations de l'État sont en légère baisse. Les compensations fiscales progressent ponctuellement en raison notamment du versement exceptionnel en 2022 de la compensation relative à la taxe d'habitation que j'évoquais juste avant. La part des subventions, elle, est subventions produits des immeubles et autres produits est en augmentation, mais c'est surtout du fait de la hausse des subventions reçues. Sur la réforme de la fiscalité directe, cette diapositive elle est intéressante parce que 2022 marquait la deuxième année de l'entrée en vigueur de la réforme de la taxe d'habitation. Une des principales conséquences, on en a déjà parlé, c'est l'affaiblissement du levier fiscal. En 2022, seuls 68% du produit fiscal était sensible à une variation des taux. Et l'autre conséquence du fait de la prédominance de la taxe foncière dans le panier fiscal communal, là, c'est la déconnexion entre les habitants et les contribuables. Sur Villeurbanne, selon l'INSEE, on a seulement 35% des ménages qui sont propriétaires de leur logement. Donc on a seulement 35% des résidents qui payent la taxe foncière et donc qui contribuent directement par l'impôt aux recettes de la municipalité. Diapositive 9 sur les droits de mutation qui se maintiennent cette année encore et même qui augmentent. Mais c'est une recette qui est quand même particulièrement fluctuante et dans un contexte de très forte incertitude sur le marché de l'immobilier. Je profite aujourd'hui de cette présentation pour appeler chacun des élus à se satisfaire du montant atteint en 2022, mais à ne pas considérer que c'est un niveau de recette qui pourrait être pérenne. C'est un constat qu'on fait chaque année, mais en ce début d'année 2023, où le renchérissement des taux d'intérêt freine les ventes immobilières, on pourrait considérer que c'est véritablement une recette qui pourrait venir abaisser. Sur l'évolution des dotations et compensations, la plupart des dotations versées par l'État, elles relèvent d'une enveloppe normée. Moi, je vais préciser l'évolution des deux plus importantes, à savoir d'une part la dotation forfaitaire, qui est de 13,5 millions d'euros, donc en baisse de 0,5%, et la dotation de solidarité urbaine, qui est de 5,5 millions d'euros, et qui, elle, du coup, est en hausse, et en hausse pour la sixième année consécutive. Sur l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement par nature, ensuite, si elles augmentent de 11,6%, on voit que cette augmentation dépend vraiment des chapitres. D'abord, sur le chapitre 11,
qui monte à 33,16 millions d'euros. Très clairement, cette hausse-là, elle s'explique au moins pour partie par Capitale française de la culture et pour l'autre part, par l'inflation. C'est véritablement ces deux éléments qui expliquent essentiellement l'augmentation de ce chapitre, l'augmentation des fluides, l'augmentation des carburants, l'augmentation des coûts de l'alimentation et donc aussi les dépenses liées à Capitale française de la culture. Sur les frais de personnel, qui représentent 60% de nos dépenses réelles de fonctionnement et qui sont en hausse de 8%, eh bien là on voit l'impact de mesures nationales, notamment le relèvement du point d'indice évidemment, mais aussi les mesures locales, que ce soit les mesures sociales ou que ce soit d'abord la création de postes au sein de la municipalité qui évidemment ont un effet massif sur les frais de personnel. Ensuite, sur les atténuations de produits qui portent essentiellement sur le fonds de péréquation intercommunale, eh bien, il est en nette hausse en 2022, hein, plus 18,8%, en raison notamment du changement de mode de calcul de répartition entre les communes et la métropole. Sur les autres charges, qui intègrent essentiellement les subventions et contributions, il est en léger recul, mais c'est un effet, on va dire un biais qui s'explique par le report sur 2023 d'une partie de la subvention du CCAS qui aurait dû être versée en 2022. Donc si on enlevait ce report-là, on ne serait pas sur une baisse sur ce chapitre-là. Et enfin, les dépenses exceptionnelles qui, elles, reculent de 5,37%. Sur la typologie des dépenses de fonctionnement par thématique d'action publique, on voit que globalement, il n'y a pas de changement majeur, même si on voit l'augmentation de la part de la culture dans le camembert. Et vous vous doutez bien qu'effectivement, en année Capitale française de la culture, cette part-là allait augmenter. L'éducation reste le premier poste de dépenses de fonctionnement avec 35,1%. Culture, 21,7%. Sport et jeunesse, 14,5%. Petite enfance, 12%. Urbanisme et environnement, 7,2. On voit ici que le budget social et logement est de 2,5%. Il faut, là encore, bien comprendre l'effet du report de la subvention du CCAS qui, du coup, diminue cette part-là. Et donc, c'est un biais de l'année 2022. Sur le niveau d'investissement, bien, il est en progression, on le voit bien sur cette diapositive, tendancielle, structurellement, depuis au moins 10 ans, mais en fait, quasiment systématiquement. Pour mémoire, sur le mandat 2014-2019, le niveau de dépenses d'équipement était de 221 millions d'euros, soit en moyenne 40 millions d'euros. Et là, on atteint plus de 50 millions d'euros sur l'année 2022. Donc, on est sur un record, un investissement historique qui correspond à notre volonté de déployer de nouveaux équipements dans la ville. Les immobilisations corporelles sont en hausse de 16%. Les immobilisations corporelles atteignent 13,38 millions d'euros, donc soit une hausse de 92%. C'est statistiquement, enfin relativement la plus importante. On voit ici l'effet notamment de la stratégie foncière offensive, mais aussi l'effet de l'acquisition de bâtiments modulaires et des déploiements temporaires d'équipements, ce qui nous amène à toujours nous interroger sur la pertinence d'aller sur des bâtiments modulaires. Mais de fait, si à un moment donné on doit aller sur du temporaire, c'est parce que souvent on n'a pas directement le foncier disponible pour le déploiement d'équipements. Donc on voit bien que l'un des écueils répond à l'écueil précédent. Les autres dépenses d'immobilisation corporelle, elles concernent l'achat notamment de matériel technique, d'installations générales, etc. Et à l'ensemble de ces montants, il faut ajouter les reports relativement importants en 2022. On est donc sur une reprise de l'investissement. Les immobilisations en cours atteignent 34,6 millions d'euros. Les dépenses réelles de ce chapitre représentent 67,6% des dépenses réelles d'équipement. Parmi les plus grosses opérations, on retiendra le groupe scolaire Simone Veil, rafraîchissement de l'AMLIS, la construction du gymnase des Parmets-Ruello. Autant d'opérations assez concrètes que vous avez vues advenir dans la ville. On a... C'est la conséquence logique de l'évolution de cette dépense d'équipement, un endettement en hausse. C'est la diapositive 14. L'encours de la dette au 31 décembre 2022 s'élève à 50,03 millions d'euros. C'est une augmentation qui suit celle de 2021, qui était à 44,4 millions d'euros. Le taux moyen de la dette, c'est important de l'avoir en tête, au 31 décembre, il est de 1,22%.
pourrait dire que c'est un taux qui est relativement faible, en tout cas modéré. Il faut se rendre compte qu'il est le double de celui qu'on avait fin 2021. C'est la première traduction de la montée des taux d'intérêt et donc globalement d'une tendance aussi qui, même si on a des incertitudes sur l'avenir, est quand même celle qu'on est en train de suivre, au moins pour la prochaine année aussi. À titre d'information, l'endettement par habitant, il est de 326 euros à Villeurbanne par habitant, contre 1088 euros dans la moyenne de la strate. Donc la soutenabilité de la dette paraît assez évidente. Elle peut être aussi évaluée en fonction de l'aptitude à la rembourser. C'est ce qu'on appelle la capacité de désendettement. Et en 2022, cette capacité de désendettement est de 1,8 années, contre 6 années pour la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. C'est néanmoins une dégradation qui s'explique à la fois par l'augmentation de l'encours de la dette et par le recul de l'autofinancement. Les charges financières, elles, sont en hausse de 48,9% par rapport à 2021. Ça reste relativement limité. Et si ça reste aussi limité, c'est d'abord du fait d'un stock de dette qui est assez peu élevé. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que la hausse des taux n'a pas encore pesé pleinement sur notre charge d'intérêt. Et donc, on aura des conséquences plus visibles sur 2023. Donc, il faut bien qu'on ait ça en tête comme un point de vigilance sur l'évolution de notre dette. Le compte administratif 2022 fait donc apparaître à la section de fonctionnement un total des recettes réelles de 177,27 millions d'euros pour un total de dépenses de 159,14 millions d'euros, soit un résultat de la section de fonctionnement de plus 18,13 millions d'euros. Il est ensuite inscrit en report à nouveau de la section de fonctionnement à hauteur de 2,568 millions d'euros afin de couvrir les reports de fonctionnement 2022. Le solde de 0,12 millions d'euros est affecté à la section d'investissement en complément des 15,45 millions d'euros destinés à couvrir le besoin de financement. En conclusion de l'ensemble de ces diapositives, et juste avant de transmettre la parole à Stéphane Frioux, adjoint de la culture, qui pourra donner à voir non seulement l'aspect financier, mais l'aspect politique, culturel de Capitale Française de la Culture, je dirais que ce compte administratif, il est fidèle au plan qu'on vous avait présenté lors de la présentation du budget primitif 2022 en décembre donc 2021. On avait assumé la volonté d'utiliser pleinement les ressources de la ville pour déployer l'action publique, tant au niveau du fonctionnement que de l'investissement. Il nous faudra désormais, et c'est l'esprit qu'on a présenté dans le budget primitif 2023, commencer à faire remettre en parallèle les courbes de dépenses et de recettes pour ne pas continuer à dégrader effectivement la situation financière de la ville. Mais on est dans la stratégie qu'on s'était fixée en début de mandat, malgré un contexte très particulier, très délétère pour l'ensemble des collectivités. Et là où nous, on arrive à continuer notre plan de mandat, on voit bien que beaucoup de collectivités, elles, doivent complètement le remettre en cause. Donc on peut s'en réjouir. Je transmets tout de suite la parole à Stéphane Frioux, que je remercie de présenter en complément la Capitale Française de la Culture. Merci à mon collègue Jonathan Bocquet, à monsieur le maire de leur confiance et de me laisser présenter ce bilan. Et en guise de transition, je ferai référence à une émission bien lointaine qui s'appelait « Déchiffrer des lettres ». Vous avez traité la partie chiffres, chers collègues, en 7 lettres, je dirais « culture ». Alors pour débuter, je ferai quelques rappels, car plus de 2 années ont passé depuis notre nomination à ce titre de capitale culturelle nationale. La somme octroyée par l'État comptait pour 1 million d'euros, ça a été rappelé, mais il était nécessaire de présenter un volume d'opérations bien supérieur, digne d'un programme d'envergure nationale. Diapo suivante. Au titre des opérations, nous avons distingué dès le début les projets exceptionnels de l'année 2022, soit plus de 700 manifestations, du socle pérenne de la candidature destinée à rester ensuite et à se développer tout au long du mandat. C'est nos fameux mini-mix pour l'éducation artistique et culturelle de nos écoliers, ainsi que les parcours historiques pérennes conçus par le RIS et ses partenaires. Tout cela a été également permis par l'excellent bilan, à la fois culturel et financier, du mandat 2014-2020. Diapo suivante. Cette année s'est déroulée sous le signe de la priorité politique de notre mandat, qui était d'allier politique culturelle et jeunesse
pour consolider la culture de la culture que nous avons à Villeurbanne et semer les graines des nouvelles générations d'actrices et d'acteurs des politiques culturelles de demain. L'expérience du festival réel en juin 2022 fut évidemment le point d'orgue de cette priorité, mais bien d'autres éléments pourraient être cités, comme l'opération Parlement des collèges et lycées de la compagnie Complexe Capharnaüm, qui se poursuit notamment en 2023. Page suivante. Les grandes orientations transversales de notre mandat ont été également, dès le départ, au cœur des réflexions et des actions de notre équipe projet et de ses partenaires. Plancher vibrant, accessibilité et inclusion, intégration de la dimension écologique, participation des jeunes et des moins jeunes, telles ces dizaines de bénévoles qui accompagnèrent les chiens géants de Royal Deluxe en septembre dernier, sont à rappeler. Diapo suivante. À cela s'ajoute un élément financier, un élément à souligner pour ne pas se contenter du bilan financier, c'est la satisfaction de la population, comme en témoignent les résultats du baromètre annuel de satisfaction de l'action municipale conduit en décembre 2022, merci, qui montrait un très beau taux de notoriété, 73% des habitants savant que Villeurbanne était capitale française de la culture, et un taux de satisfaction donc de 92% d'habitants pensant que c'était une bonne chose. J'en viens à quelques zooms sur l'année passée. Tout d'abord, le socle pérenne de la candidature. Diapo suivante. Nous avons créé 18 mini-mix, soit 9 coordinatrices, très concrètement, qui œuvrent chacune dans 2 écoles et un poste de coordination. Plusieurs dizaines de projets ont été menés dans nos écoles et un guide des actions éducatives du premier degré est désormais proposé chaque printemps grâce au travail des services de la ville, de la direction de l'éducation et également de celle de l'action et du développement culturel. À chaque mini-mix correspond également une somme en investissement pour mettre à niveau les collections de la BCD de l'école. Plus de 7000 de nos élèves des écoles publiques ont été concernés par les actions d'EAC en 2022. Plus de 1200 collégiens et lycéens l'ont été également, et l'effort se prolonge. Au-delà du pass culture, tant vanté par le gouvernement, un volontarisme nous anime, complété par le soutien plus qu'appréciable de la métropole de Lyon. Page suivante. Alors que l'équipe du RIS continue à proposer ses expositions annuelles, comme Villeurbanne à hauteur d'enfant, qui résonnait avec la thématique Place aux jeunes du projet Capitale française de la culture, ce sont 22 curieux détours qui ont été programmés en 2022. Ces balades font intervenir plusieurs dizaines de partenaires associatifs et culturels de Villeurbanne et de la métropole. 5 parcours ont d'ores et déjà été pérennisés, des lignes peintes de couleurs agrémentées de clous sur nos trottoirs, sur le campus de la Doye, au Tonkin, dans le quartier Flaché, au Gratte-Ciel et le long du cours Tolstoï. Cette politique de balade patrimoniale a bénéficié d'un budget de 60 000 euros pour l'année 2022. Revenons maintenant sur les grands événements de l'année écoulée. Ces événements ont rassemblé plus de 700 000 spectatrices et spectateurs du 7 janvier 2022 au 31 décembre, avec comme point commun une gratuité assumée, en accord avec la tradition de nos grandes fêtes créées sous la municipalité Charles Hernu, prolongées sous les mandats de Gilbert Chabroux et Jean-Paul Brett. L'exception principale concernait les expositions d'envergure nationale, Crever l'écran et Son œil dans ma main de Pardon Daoud, venues de Paris au pôle Pixel. Des 3500 personnes qui bravèrent le froid et participèrent à l'inauguration en présence de la ministre de la Culture, aux 80 000 qui déambulèrent dans l'ambiance caniculaire de la fête de la musique et aux 46 000 comptabilisés 3 semaines auparavant au parc de la Fessine pour le festival réel, le premier semestre 2022 fut un succès avec une montée en puissance de l'affluence, mais aussi la reprise de notre événementiel culturel habituel comme la fête du livre jeunesse. Parce qu'une capitale culturelle nationale doit être attractive, l'apogée fut atteint au mois de septembre par le Grand Prix de Villeurbanne et ses 150 000 spectateurs. Page suivante, voilà. On peut rajouter des différents événements pour toutes et tous, de la grande lessive de nos écolières et nos écoliers aux actions dans les EHPAD, en passant par les résidences d'artistes, de l'atelier itinérant, un autre de nos dispositifs pérennes qui se déplacent chaque trimestre dans la cour d'un établissement scolaire.
Cette année culturelle à nul autre pareil dans notre ville a vu la labellisation de plus de 170 structures, que je ne citerai pas toutes, elles sont, la liste est longue, et de nombreux partenariats exceptionnels avec des structures métropolitaines, un spectacle des nuits de Fourvière, les cabanes à histoire du musée des Confluences, le départ de la grande enquête Quai du Polar, le spectacle final, vital, créé par les allumeurs de rêves de Gilbert et Barbara Couden. Les trois transitions de notre mandat ont été intégrées dès le début de la production des grands événements, comme je l'ai dit, et un vademécum a été établi par des étudiants de l'Institut d'études politiques de Lyon, avec également une forte implication de ma collègue Aurélie Loire, déléguée à l'éco-responsabilité des événements. Au niveau du personnel municipal, qu'il me soit permis de remercier ce soir toutes les personnes qui ont permis la tenue de cette année exceptionnelle. En plus de notre équipe projet, des personnels recrutés spécialement au réseau de lecture publique, au RIS, à l'École nationale de musique et qui vont rester dans la collectivité. Toutes les directions ont été mobilisées, s'il y a une diapo pour voilà, cela, avec quelques innovations également, comme la création d'un comité des partenaires et d'un réseau de mécènes. Cela m'amène enfin à synthétiser le bilan financier de l'année. Celui-ci s'établit donc à 11 085 728 euros pour l'année 2022. Au titre des dépenses, les 700 événements soutenus ou organisés comptent pour près de 8 millions d'euros. Sur cette somme, on peut compter plus d'un million d'euros pour les salaires de l'équipe technique, environ 3 millions d'euros pour les contrats artistiques, 3 738 310 pour les fournisseurs, le reste étant plutôt de l'ordre de la logistique. Parmi ces événements, nous avions au départ prévu 50 000 euros pour de petits projets émanant d'associations du territoire. Nous sommes passés à environ 200 000 euros, tellement il était important de faire finalement ville culturelle avec toutes nos structures associatives. Si l'on compare le coût à la fréquentation, on peut dire que la fréquentation nous donne des coûts d'événements relativement modeste, comme 22 euros par spectateur pour le week-end Royal Deluxe. Le festival réel a coûté 2 millions d'euros contre 1 million projeté dans la candidature en raison d'une part d'une rallonge pour la dimension artistique qui avait été, je vous rappelle, confiée aux jeunes et aussi des nécessités de la sécurisation du parc de la Fessine. On est dans l'ordre de grandeur d'un festival comme Woods Tower qui se tient chaque année à Miribel-Jonage mais qui lui dispose de recettes de billetterie. Les mini-mix et l'équipe projet représentent 10% des dépenses, 1 164 000 euros, légèrement moins que la communication qui s'établit à 1 278 000. Là encore, on est à peu près dans l'ordre de ce qui se passe dans les grandes années culturelles de villes capitales nationales de la culture. Il était difficile de pouvoir tout deviner en 2021 sur ce que nous allions pouvoir faire dans ce domaine. Rappelons l'apport du mécénat, plus de 1,5 million d'euros, ce qui est une remarquable performance dans un contexte de première édition de l'opération Capitale française de la culture et l'aide de la métropole de Lyon, 300 000 euros, qui semble amplement justifiée vu l'ampleur métropolitaine de nos grands événements. En ce qui concerne la recette, la ligne des recettes propres de 90 000 euros, il s'agit des recettes du festival réel. Au final, la dépense est un peu supérieure à 50 euros par habitant, donc ce qui reste relativement raisonnable pour une année hors norme. C'est plus que font beaucoup de nos régions, mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'alignement sur une politique culturelle régionale n'est sans doute pas souhaitable. Au final, signalons les réussites, l'intégration des jeunes dans nos politiques culturelles, la valorisation de toutes les esthétiques culturelles, de la gravure à l'urdla, au hip-hop, en passant par les arts de la rue, et le fameux géant Tchangara qui a sillonné les quartiers de la ville. L'accent mis sur le tourisme de proximité par les curieux des tours qui se prolongeront dans les années à venir. La mobilisation de nombreuses catégories d'acteurs faisant de cette année un projet à l'échelle de la ville. L'engagement sur les différentes transitions, les grands enjeux de notre siècle. Enfin, la fréquentation, l'ambiance et le désir de culture que l'on a pu sentir à travers les témoignages recueillis dans les enquêtes de satisfaction ou les enquêtes plus qualitatives menées par l'Observatoire des politiques culturelles. En rappelant que cette année 2023 est une année de relative sobriété culturelle en matière événementielle, avec cependant la reconduction de la fête de la musique dans un peu plus d'un mois,
Je ne peux que souhaiter vivement 2024-2025 avec le retour des invites, puis sans doute la nouvelle édition d'un événement bien réel organisé avec le concours de la jeunesse de notre ville, comme cela a été annoncé par le maire aux jeunes qui l'ont interpellé lors du colloque final organisé la semaine dernière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Jonathan Bocquet et à Stéphane Friou pour cette présentation exceptionnellement à deux voix, mais je crois que l'une et l'autre des interventions permettait de clarifier un certain nombre de choses sur la situation financière et sur le réalisé de Capitale française de la culture. Nous nous étions engagés à ce que les chiffres soient communiqués dans cette instance. Et puisque pour les groupes et de la majorité et le groupe de l'opposition, vous découvrez les éléments qui étaient présents dans la présentation de Stéphane Friou, je serai magnanime avec les temps d'intervention et chaque groupe pourra dépasser, s'il le souhaite, de 2 minutes à peu près. Ça portera à 10 la possibilité pour Olivier Gluck et 7 pour Prosper Caballo. En tout cas, jusque-là, je n'interviendrai pas. Et je vais donc immédiatement laisser la parole pour une intervention groupée pour l'ensemble des groupes de la majorité à monsieur Olivier Gluck. Merci, monsieur le maire. Merci également à Jonathan Bocquet et Stéphane Friou pour la qualité de leur présentation. À bien des titres, 2022 a été une année unique pour Villeurbanne. Elle nous a fait entrer dans le concret de notre plan de mandat, a vu la réalisation de Capitale française de la culture, tout en laissant place aux imprévus de la crise Covid, de la flambée des prix de l'énergie et plus généralement de l'inflation. Nous voyons tout cela dans ce bilan des dépenses et des recettes de la ville. Nos dépenses de fonctionnement et surtout d'investissement augmentent plus vite que nos recettes, mais cela était prévu dans l'application de notre plan de mandat. Nos dépenses de fonctionnement progressent de 11% et celles d'investissement de presque 14%. Pour autant, nous restons dans les clous. Malgré le recours aux emprunts pour financer nos politiques d'investissement, la capacité de désendettement de la ville a très peu évolué, passant de 1,41 à 1,81 années de 2021 à 2022. Grâce à Capitale française de la culture, comme cela vient d'être présenté, près de 700 événements ont eu lieu, dont plusieurs très importants. Ils ont embarqué un public large et diversifié, plusieurs centaines de milliers de personnes, beaucoup de jeunes et surtout notre territoire. Tout cela représente une dépense de 8 millions d'euros environ pour la ville, mais cette dépense, excepté les mini-mix, est exceptionnelle. Surtout, Capitale française de la culture aura été un formidable accélérateur de nos politiques artistiques, culturelles et de jeunesse en lien avec les transitions que nous portons dans notre plan de mandat. Cet effet d'entraînement va se poursuivre. 2022 marque aussi le début d'une inflation très importante. D'après nos calculs, nous supportons une hausse des coûts de près de 1,5 million d'euros. Cela est lié pour plus de la moitié à l'augmentation des prix de l'énergie à hauteur de 973 000 euros. Mais aussi à celle des intérêts de notre dette, de l'alimentation, de l'eau, des impressions papier ou encore de la documentation. Le plan de sobriété de la ville a été efficace grâce à la participation active de tous les agents et agentes et des usagers qui ont pu accepter, par exemple, des baisses de température cet hiver, dans le respect de la réglementation. Mais il n'est pas suffisant pour contenir l'augmentation qui ne concerne pas toutes les ressources énergétiques. Par exemple, si notre diminution de consommation de gaz est significative, elle ne compense pas les coûts de consommation liés à l'électricité. Nous bénéficions pour le moment d'un bouclier tarifaire très partiel sur l'électricité et dont la durabilité n'est pas acquise. Nous réaffirmons que la spéculation énergétique ne peut se faire ni sur le dos des particuliers, ni sur celui des collectivités, et qu'il y a nécessité de taxer les superprofits des grands groupes du secteur, en particulier pour financer la transition énergétique. Pour revenir sur nos investissements, les dépenses qui y sont liées augmentent de près d'un quart par rapport à 2021. Cette nette progression montre que les projets lancés ces dernières années commencent à se réaliser concrètement. 67% de ces dépenses sont en effet des travaux, comme environ 5%, contre environ 5% pour des études. Nous investissons principalement dans les prérogatives et compétences de la ville, en services nécessaires à la population. En premier lieu dans le scolaire, avec plus de 15 millions d'euros dans des constructions de groupes scolaires, comme Simone Veil, des extensions, comme Ernest Renan Sud, des rénovations thermiques, par exemple à Louis Armand.
et d'autres types de rénovation ou d'amélioration des locaux. Nous avons aussi lancé des études pour les futures rénovations et constructions, ou encore la mise en accessibilité universelle des groupes scolaires Lazare Goujon et René Descartes. Le deuxième poste de dépense concerne nos réserves foncières en répondant au manque dont nous souffrons. Nous anticipons ainsi nos futures politiques publiques, estimons des besoins sur le moyen et le long terme et répondons à la tendance haussière du foncier en anticipant nos achats. Le troisième poste est celui du sport. Là aussi, de nouveaux équipements voient le jour, comme le gymnase d'Espernette-Ruello, le complexe sportif de la ZAC de la Soie. Des rénovations se concrétisent aussi avec le centre nautique Étienne Gagnère et divers travaux comme le passage à un éclairage LED au gymnase Mollier, le chauffage ou des réfections de toiture. Tous ces investissements contribuent à l'évolution que nous souhaitons donner à la pratique sportive pour l'inscrire dans le champ des trois transitions que nous portons. Ces politiques volontaristes ne pourraient pas exister sans nos agents et agentes. Elles et ils sont notre force. Nous savons que les politiques que nous menons présentent le risque d'une sursollicitation. C'est pourquoi nous travaillons dans le même temps à l'amélioration de leurs conditions de travail. En 2022, les dépenses de personnel augmentent de 8%. Deux explications majeures. D'une part, l'augmentation du nombre d'agents et d'agentes, et d'autre part, l'augmentation des rémunérations. Pour rappel, nous avons créé 112 postes en 2022. C'était 95 en 2021, 54 en 2020, soit 261 postes créés en 3 ans. On peut souligner également le développement de l'apprentissage, avec 35 postes atteints en 2023 pour un objectif de 50 postes à la fin du mandat. Ces créations de postes répondent aux trois objectifs suivants. Le premier est bien sûr la mise en place de nouvelles politiques publiques. On peut citer cette année la pérennisation des mini-mix avec la création de 11 postes. 2022 est aussi l'année de recrutement de compétences nouvelles pour accompagner notre collectivité dans des changements majeurs, notamment les transitions. Le deuxième objectif est de continuer à pouvoir assurer un service public de qualité, notamment au regard de l'augmentation de la population villeurbanaise et la création de nouveaux équipements municipaux. Nous pouvons citer par exemple l'augmentation du nombre de policiers et policières municipaux avec un objectif maintenu de 75 postes d'ici la fin du mandat. Enfin, certains services nécessitent un renfort d'une manière plus générale pour soulager la charge de travail que portent certains personnels, en particulier les services ressources. Au-delà des recrutements, c'est aussi la politique de rémunération que nous travaillons. L'année 2022 a été marquée par l'augmentation nationale du point d'indice de plus 3,5%. Je rappelle que 2/3 de nos personnels sont de catégorie C, avec des revenus modestes qui n'ont presque pas augmenté depuis de nombreuses années. Plus de 70% de nos personnels titulaires perçoivent moins de 25 000 euros bruts annuels, soit moins de 2 000 euros bruts chaque mois. Nous avons bien conscience que l'augmentation du point d'indice reste très insuffisante au regard de l'augmentation du point de la vie. De mars 2021 à mars 2023, l'inflation a progressé de 18% sur l'alimentation en supermarché et le taux d'inflation générale calculé par l'INSEE en 2022 est de 5,2%. Soulignons que ce taux ne prend pas en compte le coût du logement, or le taux d'effort des ménages sur ce poste est de plus en plus important, surtout dans nos grandes villes comme Villeurbanne. C'est un élément à prendre en compte dans nos recrutements, car des personnes avec de faibles salaires pourraient renoncer à postuler à la ville sans faute de logement à un prix raisonnable. Et l'éloignement entre la ville et le lieu de résidence des agentes et agents présente de nombreux inconvénients, temps de transport, fatigue, mais aussi impact carbone si ces déplacements se font en voiture, ce qui est parfois inévitable. Comme beaucoup d'autres villes en France, nous souffrons d'un problème de recrutement avec 155 postes encore vacants fin mars 2023, soit près de 8% des effectifs, ce qui correspond à la moyenne nationale. Alors, au-delà du point d'indice, nous travaillons sur tous les leviers dont nous disposons. Nous favorisons l'évolution des carrières avec 231 avancements de grades et promotions internes en 2021 et 155 en 2022. Nous prêtons attention à faire progresser particulièrement les carrières et rémunérations des femmes. Nous avons procédé à des augmentations importantes du régime indemnitaire depuis le début du mandat, particulièrement sur les métiers en tension comme la police municipale, la petite enfance, les aides à la personne, pour un total de plus de 775 000 euros. Cette part du salaire a, elle aussi, été revalorisée à hauteur de 300 000 euros lors de l'augmentation du point d'indice. D'une manière générale, l'augmentation du point d'indice représente 2,6 millions d'euros
de dépenses supplémentaires pour la ville. Nous continuons le dialogue social pour faire évoluer l'action sociale. Dans le cadre de réunions de travail avec les organisations syndicales, mais aussi des rencontres avec des agentes et agents, nous sommes en train d'élaborer un nouveau cadre que nous devrions délibérer au prochain conseil municipal. Mais les conditions de travail passent aussi par des locaux adaptés. En plus des investissements évoqués précédemment, nous avons aussi investi plus de 3 millions d'euros dans les locaux de la ville pour le confort de travail des agents, agentes et aussi l'accueil du public, avec par exemple les travaux de rénovation à l'AMLIS, à l'ENM et au RIS, les aménagements du bureau de l'hôtel de ville ou les études sur les travaux pour le CCAS. Nous continuerons en 2023. Dès 2023, le forfait mobilité durable que nous avons mis en place fin 2021 va s'élargir. Il passera de 200 à 300 euros et prendra en compte de nouveaux modes de déplacement. La ville augmente également sa participation à la complémentaire santé et à la prévoyance des personnels de 300 000 euros supplémentaires, avec une majoration pour les familles monoparentales ou avec enfants en situation de handicap. Nous allons aussi investir dans l'action sociale dès 2024 en augmentant de 200 000 euros le budget qui y est consacré, soit près de 40% supplémentaire. Suite à ce compte administratif 2022, nous maintiendrons ce cap pour 2023 parce qu'il est soutenable, parce qu'il est la marque de notre volonté de transformation de la ville, parce qu'il indique aussi la trajectoire pour les trois prochaines années. Nos groupes voteront bien sûr ce rapport. Je vous remercie. Merci. La parole pour le groupe Villeurbanne Progressiste à Monsieur Prosper Caballou. Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, Monsieur l'Adjoint aux Finances, Monsieur l'Adjoint à la Culture. On a eu une présentation à trois voix, donc je vais essayer, moi, de faire ça avec une seule voix, avec quand même un regret, c'est ne pas avoir eu le bilan sur la CFC avant le Conseil, ce qui nous aurait évité peut-être certaines questions. Comme vous l'avez dit, effectivement, cette année est une année exceptionnelle. Ce n'est pas la première fois au cours de ce mandat que nous faisons face à un compte administratif difficilement comparable avec les précédents. Après le Covid et les impacts encore bien réels de la guerre en Ukraine, cette année a été aussi marquée, vous l'avez dit, monsieur l'adjoint, messieurs les adjoints, par l'événement Villeurbanne, capitale française de la culture. Vous le saviez, nous étions, tout comme vous, très fiers de ce label créé par le gouvernement. Pourtant, malgré la présentation que vous venez de faire sur le sujet, nous avons un goût d'occasion manqué. Alors que nous ne pouvons que constater, sans critique aucune, l'impact que la CFC a sur ce CA, il aurait été utile et intéressant d'avoir le bilan, un bilan séparé, comme vous venez de présenter, ce qui me permet de dire, monsieur l'adjoint à la culture, on joue ce soir aux chiffres et aux lettres, vous avez joué aux lettres et je vais jouer aux chiffres. Et vous ne pouvez pas dire que cette demande est tardive ou imprévue, puisque dès le début de la labellisation et lors du compte administratif 2021, nous avions souhaité demander que l'ensemble du conseil municipal puisse obtenir à la fin de l'opération un bilan complet, somme toute très simple, les dépenses et les recettes. Ce à quoi vous aviez d'ailleurs répondu positivement, et ce soir nous en avons la preuve. Dommage que nous ne l'ayons pas eu avant, cela nous aurait permis d'avoir d'autres questions. En réalité, et nous avons bien compris le problème, et ce soir encore mieux. Les coûts de cet événement, ont explosé en comparaison du prévisionnel et il est nécessaire de lisser sur plusieurs années et donc au moins encore jusqu'en 2023. C'est en effet sur l'opération globale. Alors ce soir, vous nous donnez un chiffre d'à peu près ce que j'ai retenu de 11,5 millions, mais vous l'avez dit, je vous reconnais le propos qui concerne l'année 2022 de un peu plus de 11 millions. Mais nous, le chiffre global que nous avons, il est aux alentours de 13,5 millions, ça concerne l'intégralité de cette année mémorable, soit 10 millions d'euros de plus que le projet initial. C'est considérable. Si nous avons compris que la CFC allait dépasser le budget, d'ailleurs, nous avions nous-mêmes voté une décision modificative pour permettre effectivement à ce budget d'aller au-delà du prévisionnel. Même si certains spectacles ont fait gonfler l'addition, ils n'expliquent pas tout et nous ne pouvons que supposer à travers quelques chiffres tirés du compte administratif présent
que la communication, par exemple, près de 2 millions d'euros à vue de nez, où d'autres postes ont également été très largement dotés. À l'inverse, et en recette, malheureusement, l'explosion n'est pas au rendez-vous. On reste sur un montant proche du budget initialement présenté, 3 millions d'euros, 1 million d'euros qui viennent de la subvention d'État et de la Caisse des dépôts, un peu moins de 300 millions de la métropole de Lyon. Et comme vous, nous regrettons que la région n'ait pas suivi avec les 200 000 euros pourtant annoncés. Vous avez annoncé au budget prévisionnel 1 600 000 euros de recettes de mécénat. Ce soir, monsieur l'adjoint, vous avez annoncé 1 500 000. Si nous analysons, nous, le compte administratif, nous ne retrouvons que 784 000 euros. Donc déjà là, nous avons un gap d'à peu près 750 000 euros. Mais nous comprenons finalement la création d'un poste dédié à la recherche du mécène lors du dernier conseil. Ceci dit, rappeler et faire du mécénat sur un événement qui est terminé, ça va être un peu compliqué. Donc ce sont 10 millions d'euros qui ne seront pas issus d'un travail acharné pour trouver des mécènes, mais bien de la capacité à investir sur la ville et pour plusieurs années à venir. Alors nous allons revenir maintenant au CA d'une manière plus globale avec une transition tout trouvée. En ce qui concerne les investissements, et justement nous voyons là la limite de vos ambitions dévorantes. Les investissements, quoi que vous en disiez, monsieur l'agent aux finances, restent stables depuis 2020. C'est donc encore une fois en dessous de ce que vous annonciez. Après les 10 millions d'euros manquants en 2021, c'est ici 16 millions d'euros de différence entre le BP 2022 et le CA. À ce rythme-là, vos objectifs de 340 millions d'euros d'ici la fin du mandat commencent doucement mais sûrement à s'effacer. Par ailleurs, le taux de consommation de crédit pour 2022 n'est que de 63,1%, ce qui n'est carrément pas un bon taux de réalisation. Permettez-moi de détailler le chapitre 23 pour mieux comprendre où vont les 51 millions d'euros d'investissement de cette année. Nous avons 3 200 000 euros d'études pour de futures réalisations. 13 300 000 euros d'acquisition foncière pour un futur pas toujours bien défini. Enfin, 34 millions d'euros consacrés aux travaux. Mais voilà, l'analyse de cette dépense donne la traduction suivante. 11 160 000 euros pour de nouveaux équipements. Vous l'avez dit, monsieur l'adjoint, le groupe scolaire Simone Veil, le groupe scolaire Ernest Renan, le gymnase Jeanne d'Épernay Ruello, et le reste, 23 300 000 euros, sont consacrés aux travaux d'entretien du patrimoine qui, bien évidemment, sont nécessaires, voire indispensables. Mais en termes de création nouvelle, on s'arrête aux trois exemples que j'ai cités. Le comble, c'est lorsqu'on met cela en comparaison avec l'envolée de la dette qui, elle, ne s'arrête pas. Nous le savons, nous n'avons pas nécessairement la même vision sur la dette. Et si l'on peut comprendre la logique de rattrapage d'un niveau moyen d'endettement similaire aux communes de la même strate, répété plusieurs fois maintenant par M. l'adjoint en finances, nous ne pouvons néanmoins que réitérer nos alertes. Car le stock global de la dette continue de progresser avec 50 millions d'euros à la fin 2022, après les 44 millions en 2021, et les 34 millions en 2020. Ce CA confirme malheureusement nos inquiétudes émises lors du BP 2022. D'autant que le budget prévisionnel 2023 annonce un recours à l'emprunt de 11 millions d'euros. Le stock sera alors au-delà des 60 millions d'euros. Mais la situation a également évolué depuis ces dernières années et nous doutons que votre logique de rattrapage puisse encore tenir. En effet, les taux d'intérêt ont grandement augmenté. Je cite votre exemple issu du CA. Alors qu'en août 2021, la ville se voyait proposer un taux de 0,55% sur une durée de 15 ans, le même établissement bancaire prêtait en décembre 2022 à un taux presque 6 fois plus élevé, 3,23% pour une durée inférieure. Cela se traduit dans ce CA par une forte hausse des intérêts de la dette, près de plus 50%, soit 230 000 euros. D'autant qu'un tiers du stock de la dette, et ça n'est pas forcément dit dans le compte administratif,
est à un taux variable, ce qui fait que l'inconnu reste total quant à la charge financière sur les prochaines années. Si vous continuez de maintenir cet envolée de la dette avec des taux qui, eux aussi, s'envolent, la charge apportée sera très lourde pour la ville et ce, pour de nombreuses années. Et ce, alors que l'épargne brute, hors cession et en valeur absolue, se réduit à peau de chagrin, moins 3 900 000 pour cette année, pour arriver à 27 millions, soit 10 millions d'euros de moins qu'en 2019. De même, les dépenses de fonctionnement sont-elles aussi sur une ascension bien plus forte que les recettes. Si une partie de cette évolution peut s'expliquer par la CFC, l'écart est néanmoins maintenu, même retraité de ces dépenses. Bien sûr, le prix de l'énergie sont aussi à prendre en compte dans la balance. Mais il y a également une forte progression dans les charges de personnel. Villeurbanne recrute, titre le Viva de ce mois-ci. Eh bien, ça se voit et ça ne date pas d'hier. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Certaines embauches sont nécessaires. Monsieur Gluck, vous l'avez rappelé. Et je pense notamment ici aux embauches de policiers municipaux, par exemple. Et il n'y a pas que. Je pense aussi au secteur de l'éducation, par exemple. Mais c'est tout de même 112 postes créés juste pour l'année 2022, dont 27 contrats de projet qui étaient pourtant fustigés par certains d'entre vous, après les 95 postes créés en 2021 et les 55 postes annoncés au BP 2023. Nous en serons à 262 créations de postes, d'où une incidence financière majeure, 2 567 000 pour 2021, 3 500 000 pour 2022, soit 6 700 000 euros qui seront, ne l'oublions pas, des dépenses supplémentaires et récurrentes. Vous avez cité plusieurs fois, M. Gluck, un des effets de cette augmentation du point d'indice sur le CA. Ce n'est pas, comme vous l'avez dit, si j'ai bien entendu, je mets un bémol à mon propos, plus de 2 200 000 euros d'incidence, mais selon le CA, 1 320 000 euros, sur une dépense de plus de 88 500 000 euros. Je crois que l'incidence du point d'indice n'est pas la seule explication de l'augmentation de la charge des dépenses de personnel. Enfin, permettez-moi d'inscrire une remarque sur une de nos recettes, la DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, qui continue de progresser malgré les politiques de l'exécutif métropolitain, une politique du logement et de l'habitat qui n'est pas au rendez-vous et ne produit pas les effets escomptés. Une recette qui, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et de la baisse de l'offre immobilière, devrait sensiblement baisser dans les années à venir, une inquiétude supplémentaire pour l'équilibre de nos futurs budgets. Nous constatons finalement que les ratios financiers de la ville se dégradent, avec des frais de fonctionnement en forte hausse, un stock de dettes qui augmente tous les ans, ce qui entraîne la charge financière liée aux emprunts, des recettes en baisse, un autofinancement qui recule d'année en année. Plus inquiétant, la lecture du BP 2023 annonce par avance un CA 2023 qui aggravera encore un peu plus la situation financière de notre ville et de ses capacités à investir et faire face à ses dépenses de fonctionnement. Cette année est donc effectivement une année exceptionnelle, car elle marquera le tournant de ce mandat. Vous l'aurez compris, notre groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Jonathan Bocquet et ensuite à Monsieur Frioux. Merci. Tout a été dit. D'abord, sur les spécificités de 2022, on peut s'en réjouir. On est tous d'accord sur le fait que c'est une année un peu exceptionnelle et on a su tous rendre compte de manière très claire du fait qu'il y a des dépenses subies et qu'il y a des dépenses voulues, qu'il y a un poids d'un certain nombre de facteurs exogènes et puis il y a le poids de choix politiques municipaux. Je crois qu'on a aussi rendu compte, et c'est important de l'avoir tous en tête pour la qualité du débat public, qu'il y a des dépenses qui sont très contextuelles et des dépenses qui sont structurelles. Et je pense quand même qu'on sera tous d'accord sur le fait que c'est ces secondes qui sont les plus importantes et qui nous permettent de voir la situation financière de la ville.
Moi, je n'irai pas dans le débat sur CFC, parce que je pense que Stéphane Friou y répondra, mais je suis quand même un peu étonné que vous vous étonniez du montant CFC, parce que vous avez voté l'ensemble des décisions modificatives, les unes après les autres, qui avaient annoncé effectivement ce dépassement progressif de ce qui avait été prévu au tout départ. Bon, vous feignez de vous alarmer sur l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement. Je dis vous feignez parce que je pense qu'il y a une part qui est sincère, mais je pense qu'il y a une part peut-être exagérée dans votre propos. Concrètement, en 2022, la ville a dépensé 15 millions d'euros supplémentaires pour son fonctionnement. Sur ces 15 millions, on a 8 millions qui sont liés à l'augmentation des charges générales, c'est-à-dire les fluides, les énergies, les fournitures, les denrées alimentaires. Donc, tout ce qui est lié à un moment donné à l'inflation, à la flambée du prix des matières premières et de l'énergie. Donc là, de deux choses l'une, soit on réduisait le service public, soit on fermait nos équipements, soit on arrêtait de les chauffer. En l'occurrence, on a eu un plan de sobriété énergétique qui a permis d'aller chercher quand même les économies, mais de fait, à un moment donné, c'est des surcoûts qui s'imposaient à nous. Sur les 15 millions d'euros, on a aussi l'augmentation des frais de personnel. Il y a une partie qui est liée à l'augmentation du point d'indice et aux mesures sociales. Certaines d'entre elles, et notamment le point d'indice, sont décidées par le gouvernement. Et ensuite, effectivement, on a une politique sociale qu'a évoquée assez largement Olivier Gluck, qui nous engage à des qualités de conditions de travail satisfaisantes, d'autant plus dans un moment de forte concurrence entre les collectivités pour les recrutements. Et donc, si on veut que nos postes soient pourvus, il faut effectivement aussi répondre à ces attentes-là. Après, vous évoquez les nombreux recrutements qu'on fait depuis le début du mandat. Et là, bon, ben, au moins, on est d'accord sur les faits. Et après, on est en désaccord sur la stratégie. Mais ça permet au moins un débat public de qualité. Les dépenses d'équipement, par contre, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Elles atteignent un niveau record. Et l'ambition de construction, on l'a annoncé. D'abord, c'est un effort financier, effectivement, conséquent. Et malgré les restes à réaliser, ben, on est quand même sur des montants records par rapport à ce qui se passait sur les précédents mandats, malgré aussi un contexte qui est particulièrement difficile. Après le Covid, on a eu effectivement l'inflation et les difficultés économiques que rencontrent la plupart des entreprises qui nous amènent à rediscuter des chantiers, des calendriers, etc. Et du coup, ça peut effectivement provoquer parfois des retards qui ne sont pas tout à fait de notre fait et sur lesquels, par contre, on essaie du mieux possible d'accompagner des entreprises qui sont parfois en difficulté et pour lesquelles, ben justement, on est prêt à parfois même rediscuter des marchés entérinés pour ne pas les mettre en difficulté quand elles doivent faire face à l'inflation. Mais du coup, effectivement, parfois, ça peut faire des déports de calendrier. Et moi, je tiens à dire que plus que l'effort financier, c'est un effort humain qui est porté parfois par des recrutements supplémentaires sur les fonctions ressources. Et c'est parce qu'on a cette ambition en termes de déploiement de nouveaux équipements publics qu'on a aussi besoin de nouvelles de recrues sur les fonctions ressources de la ville. Mais c'est un effort humain sur le plan de charge des services. Et là, moi, je tiens à souligner la qualité de travail des services parce que toutes les entreprises partenaires du territoire peuvent témoigner que même si on a un programme plus important qu'avant, on n'a rien perdu en qualité d'accompagnement des maîtres d'œuvre qui travaillent sur les opérations de la ville. On a sans doute des efforts à faire sur l'optimisation des recettes de fonctionnement. Vous voyez d'ailleurs que dans ce conseil municipal, un certain nombre de délibérations donnent à voir qu'on optimise nos recettes. On a des taux de réalisation qui, certes, vous pouvez considérer ne sont pas excellents, mais ils ne sont pas très loin du taux d'exécution des mandats précédents. Surtout si on compare les mandats 2000 et 2008. Autrement dit, on n'est pas si éloigné de ce qui est un taux de réalisation correct, malgré un contexte qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait à l'époque. Qui est comparable et même plutôt en notre faveur si on le compare au taux de réalisation d'autres collectivités. Vous avez évoqué quelques créations d'équipements, mais on est d'accord que votre liste n'était pas exhaustive et qu'il importerait, si vous vouliez montrer tout ce qu'on avait fait, de faire la liste complète. Et on a plusieurs pages dans le compte administratif, le stade des Iris, le jardin de Jeanne, la création de l'archipel, l'école préfiguratrice Grand Clément. Et là-dessus, d'ailleurs, si vous contestez notre stratégie foncière, je le disais peut-être trop rapidement dans la présentation du compte administratif,
Notre stratégie foncière ambitieuse, elle nous permettra demain de faire des économies sur des acquisitions foncières de dernière minute qui, du coup, sont pas du tout au prix réel du marché, parce que les gens savent très bien, enfin, les vendeurs savent qu'on veut acheter vite. Donc, mieux vaut anticiper et mieux vaut éviter aussi de devoir faire du modulaire et du temporaire, parce que ça nous génère autant de surcoûts. On est aussi sur un programme d'investissement où on a beaucoup de rénovations, beaucoup de gros entretiens qui montrent peut-être le manque d'efforts faits sur l'entretien du patrimoine sur les mandats précédents. Et plutôt que d'aggraver la situation, on préserve l'avenir et on renforce ces éléments-là. Vraiment, j'insiste, le taux d'exécution, il ne doit pas faire oublier qu'en termes absolus, les investissements portés par la ville sont plus hauts que jamais enregistrés. La diminution de l'épargne, elle est avérée. Je partage votre constat. Elle suit la courbe qu'on avait projetée en début de mandat. Donc on avait été transparent sur notre stratégie. On avait fixé un objectif à 14% de seuil plancher pour cette épargne. Pour l'instant, il est tenu. On est à 15,69%. Donc on n'a pas cédé à un quoi qu'il en coûte. Mais en revanche, on a porté une ambition à la hauteur de nos moyens dans un contexte difficile. Je rappelle la situation de Villeurbanne en termes de dette par rapport aux autres villes de 150 000 à 160 000 habitants. Et pour montrer que je ne suis pas partisan, je vais prendre des villes de couleurs assez différentes. On a Le Mans, 80 millions d'euros de dette, donc 15 millions d'emprunts rien qu'au budget 2023. On a Dijon, 121 millions d'euros de dette. On a Angers, 164 millions d'euros. C'est Christophe Béchu, c'est pour ceux qui vont avoir Le Mans, Stéphane Le Foll, Dijon, François Rebsamen. Je laisse chacun replacer les étiquettes politiques. Je peux citer Grenoble, hors catégorie, avec 320 millions d'euros de dette. Et Brest, qui fait figure de bon élève avec ses 27 millions d'euros de dette, mais avec un investissement qui atteint seulement 30 millions d'euros en 2023. Donc nous, on arrive à avoir un niveau de dette qui est largement inférieur à toute la strate, avec un niveau d'investissement qui est largement supérieur à toute la strate. L'évolution des taux d'intérêt que vous évoquez, elle doit effectivement nous appeler à la plus grande vigilance sur les années à venir. Par contre, elle nous donne raison sur les années passées, c'est-à-dire que c'était le bon moment pour emprunter, c'était le bon moment pour investir, et donc on a bien fait d'y aller fortement sur les premières années de mandat. Sur les RH, vous dites que certaines embauches sont nécessaires. Vous me demandez de ne pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, donc je ne vais pas le faire, mais ce que vous n'avez pas dit, c'est lesquelles ne sont pas nécessaires. Et donc ça, il faudrait le dire à un moment. Monsieur l'adjoint, excusez-moi, je vous interpelle juste sur ce point-là. Allez-y. J'ai retiré une question sur laquelle je me demande où sont passés les 50 autres postes qui ne sont pas dans votre délibération. Alors ça, on peut rendre compte dans un prochain document l'ensemble de la liste. D'accord. Effectivement. Je suis curieux de le savoir. Eh ben, je vous propose qu'on diffuse effectivement la liste de l'ensemble des postes créés. Et même, on va aller plus loin sur la question de la transparence. On va vous montrer ceux qui sont pourvus et ceux qui sont non pourvus actuellement. Finalement, cet arrêté des comptes, il dit quoi ? Il dit que la ville a assumé son rôle de capitale française de la culture, qu'elle a ouvert l'ère des capitales françaises de la culture, qu'elle a absorbé les effets de l'inflation et qu'elle a poursuivi le plan de mandat de notre programme municipal. Je vous remercie. Merci, M. Bocquet. M. Friou. Oui, donc après culture en 7 lettres, il y a capital en 8 lettres et sincérité en 9 lettres. Donc effectivement, la synthèse du bilan financier que je vous ai présenté est la synthèse sincère de l'année 2022, puisque jusqu'à une époque très récente, on a communiqué sur un peu plus de 13 millions d'euros. Alors pourquoi ? Parce que dans l'idée de l'équipe projet et de son directeur général, Bernard Sevaux, on avait commencé l'expérience capitale française de la culture en septembre 21 avec les invites. Et donc, on rajoutait déjà 1 400 000 euros avec les invites. Et on avait également voté en 2021 un premier versement à la Compagnie Royale de Luxe pour le contrat de création. Voilà, donc, il fallait déjà rajouter plus de 2 millions d'euros, effectivement, votés en 2021. Donc, effectivement, c'est lissé. Bon, il y a aussi les fins de exposition avec... l'exposition avec l'Institut du monde arabe, dont il faudra faire le bilan également dans quelques semaines, le bilan également de l'organisation du colloque qui a été déjà largement quand même payé sur l'année 2022, voilà, pour les éléments qui permettent de lisser sur 2023. Mais c'est bien un énorme travail de tous les services de la ville qui ont permis d'arriver à cette
nouvelle plutôt bonne, qui est que finalement les coûts ont été relativement maîtrisés. Pour une opération comme il n'en arrivera qu'une par siècle, sans doute, même si peut-être nos successeurs, dans une quinzaine d'années, pourront songer à faire de Villeurbanne une capitale européenne de la culture, pourquoi pas. Voilà. Mais ça, je laisserai à d'autres que moi l'idée de piloter d'éventuels projets futurs. Bien, merci. Alors, avant de passer au vote auquel je ne participerai pas, vous me permettrez juste quelques éléments en complément de mes deux collègues qui sont en forme, hein, parce que je les ai rarement entendus aussi brillants sur un compte administratif, ni manier l'humour, mais c'est certainement parce que l'adjoint à la culture est rentré dans le débat. Peut-être juste revenir sur quelques chiffres, parce que Prosper Caballo en a cité beaucoup, et je ne voudrais pas que s'inscrivent des fausses valeurs dans la tête des uns ou des autres. Donc il ne s'agit pas de 300 millions d'euros pour la métropole, on est bien d'accord, c'est 300 000. Oui, mais vous avez dit 300 millions, même vos collègues ont eu un moment de soubresaut. Donc on est bien d'accord pour le PV, c'est 300 000 euros. Et par contre, je vous rejoins parfaitement, M. Caballo, sur le fait qu'on déplore, et vous et moi, l'absence de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur... cet événement, mais il n'y a pas que cela qu'on déplore sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en matière de politique culturelle. Par ailleurs, quand on a évoqué l'évolution budgétaire, donc Stéphane Frignoux vient d'évoquer effectivement entre 11 et 13 millions, il y a du lissage sur 2021, mais c'est plutôt sur les invites que sur Royal et un peu sur 2023, parce qu'il y a la fin des expos et puis il y a aussi le séminaire qui s'est tenu sur ces deux jours. Mais on est bien d'accord que le budget initial présenté devant la ministre, on était à 8 millions. Au plus, nous serons à 13 sur la totalité des dépenses si on prend ce qu'on a lissé sur 2021 et sur 2023. Mais donc, ce n'est pas plus 10 millions. C'est au pire plus 5 ou plus 3. Voilà. Mais pareil, là-dessus, je suis obligé de revenir parce que vous avez évoqué le chiffre de 10. Moi, je ne peux pas le comprendre. Et puis enfin, deux éléments sur lesquels on a besoin de la transparence. Alors, je vous rejoins sur le fait que vous découvrez tardivement le document, mais reconnaissez-nous que nous n'avions pas l'obligation de le présenter en l'état. Donc nous le faisons, il sera joint au compte-rendu de ce conseil municipal, donc la promesse est tenue. Elle ne vous a pas permis de vous préparer à l'avance, mais en tout cas, elle est tenue, et à d'autres moments, je ne doute pas que vous reviendrez sur ces aspects-là. Sur la question de la communication, nous maintenons que sur 2022, c'est bien 1 200 000, et c'est ce qui est présenté dans le document, c'est ce qui est dans le compte administratif, et en plus, si ça peut vous sécuriser, la Chambre régionale des comptes est actuellement à la ville de Villeurbanne pour auditionner la communication sur les 5 ou 6 dernières années. Donc vous aurez accès à l'ensemble des éléments qui permettront de donner à voir que ces chiffres sont sincères, puisque vous pourriez mettre en cause, c'était quoi, en 9 lettres, Monsieur Frioux, sincérité, voilà. Mais la CRC, j'espère que vous ne la mettrez pas en cause. Et puis le dernier point, c'est que sur le mécénat, c'est pareil. Enfin, il y a bien 1 600 000 ou 1 700 000 de mécénat, que l'on compte ou qu'on ne compte pas, l'apport en industrie, qui est en fait une forme d'apport en nature, puisqu'il y a un certain nombre de travaux. Mais on parle de 150 000 et ils sont dans le détail qui a été présenté par Stéphane Frioux. Donc il n'y a pas 700 000 euros dont on ne sait pas ce qui serait. Il y a bien 1 600 000 et 150 000 qui sont présentés dans le document. Mais encore une fois, on prend sur nous le fait que vous découvrez les documents pour justifier peut-être un tout petit peu d'imprécision dans les propos qui ont été le vôtre. Mais permettez-moi de finir plutôt sur une note un peu politique. On entend les alertes. Vous ne bougez pas d'un iota sur ces alertes. Vous dépensez trop, vous n'êtes pas raisonnable, vous n'anticipez pas l'avenir, vous conduisez la ville dans le mur. Et depuis le départ, avec l'ensemble de cet exécutif, on vous dit ce qu'on vise, simplement répondre aux préoccupations des Villeurbanaises et des Villeurbanais. Et j'ai bien noté qu'il y avait un risque pour nous de perdre la place de ville la mieux gérée de France. Alors ça, on est inquiet, on sait très bien qu'au moment où ça va sortir, ça, vous allez nous le dire. Mais écoutez, moi, en tout cas, si c'est pour continuer à avoir le label « Ville la mieux gérée de France » et de figurer dans ce genre de classement, publié en avril 2023 par la presse lyonnaise, alors on peut mettre en doute éventuellement le travail qui est fait, etc., le sérieux, mais pour autant, si pour être premier « Ville la mieux gérée de France », nous devons continuer à être 47e ville la moins attractive de la métropole, d'avoir le rang de 53e ville sur les écoles et les crèches, d'avoir le rang de 43e ville sur l'emploi, l'économie et les revenus, d'avoir
la meilleure place, 59 sur 59 sur les espaces verts, et enfin 56 sur culture, sport et services publics, bah écoutez, moi je continue à dire que la direction que nous avons prise, c'est la bonne. On sera bien sûr vigilants et on compte sur vous pour nous rappeler à nos engagements très régulièrement sur la nature des dépenses que nous faisons avec l'argent public et surtout le fait que celles et ceux qui, si nous étions si mauvais que cela, prendraient notre place dans un second mandat, ne se retrouveraient pas avec une ville qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Mais en tout cas, moi, mon ambition, c'est de ne pas laisser Villeurbanne toujours à la 47e place sur 59 des villes les moins attractives de notre métropole. Je ne crois pas que ça soit ce qu'on attend de nous. Et encore, si Lyon avait été dans la même position que nous, on aurait pu se dire c'est les grandes villes qui sont pénalisées. Non, hélas, Lyon est troisième, donc on peut considérer quand même qu'il y a un vrai écart entre la première et la deuxième ville de la métropole. Et je vais vous laisser procéder au vote. Et pour ce faire, céder la présidence de ce conseil à Madame la première adjointe. Merci, Monsieur le maire. Donc, je mets ce compte administratif au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Des votes pour ? C'est bien de voter pour aussi. Il est approuvé. Je vous remercie. La délibération suivante, qui est l'affectation du résultat 2022. Donc, je mets ce rapport au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Des votes pour ? Je vous remercie. Et le rapport suivant, l'approbation du compte de gestion 2022. J'imagine que ce sera les mêmes votes. Y a-t-il des votes contre ? Non ? Non. Y a-t-il des abstentions ? Donc le rapport est approuvé. Voilà pour les délibérations concernant le compte administratif et celles qui se suivaient. Rapport numéro 109, garantie d'emprunt pour Aliad Habitat en vue de l'acquisition de deux logements aux 4 et 6 rue Alfred de Musset à Villeurbanne. Monsieur Jonathan Bocquet rapporte. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il est approuvé. Rapport numéro 110, garantie d'emprunt pour Aliad Habitat avec l'acquisition de 8 logements au 16 de la rue Mansart et au 9 bis de la rue Louis-Adam à Villeurbanne. Il n'y a pas de demande d'intervention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il est approuvé. Rapport numéro 125, garantie d'emprunt pour Aliad Habitat toujours pour l'acquisition en VEFA de 8 logements au 37 et 39 rue Anatole France. Il n'y a pas de demande d'intervention. Le vote, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Une autre garantie d'emprunt pour toujours Aliad Habitat avec la réhabilitation de 53 logements au 17 avenue Francis de Pressensé. Il n'y a pas de demande d'intervention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il est approuvé. Garantie d'emprunt pour la foncière Habitat Humanisme avec l'acquisition amélioration d'un logement au 34 de la rue Louis-Gou à Villeurbanne. Il n'y a pas de demande d'intervention. Il y a des déports qui ont été signalés. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il est approuvé. Réitération de garantie d'emprunt accordée à CDC Habitat pour avec le réaménagement de 8 lignes de son encours de dette. C'est M. Jonathan Bocquet qui rapporte. Il n'y a pas de demande d'intervention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il est approuvé. Et enfin, un rapport sur une garantie d'emprunt pour CDC Habitat avec 4 lignes d'emprunt à nouveau. M. Jonathan Bocquet rapporte. Il n'y a pas de demande d'intervention. Y a-t-il des votes contre ? Des votes pour, des abstentions. Il est approuvé. Je vous remercie. Monsieur le maire, je vous repasse la présidence. Merci, Madame la Première adjointe. Nous passons au rapport 2023-144 qui est rapporté par Monsieur Friou. J'ai une demande d'intervention. Il s'agit du réaménagement de la place Grand Clément, une convention de groupement de commandes pour l'acquisition d'une œuvre d'art. J'ai une demande d'intervention. Est-ce que Monsieur Friou, vous souhaitez en dire un mot au préalable ? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, ce rapport est particulièrement important puisqu'il s'agit de la conclusion d'une convention de groupement de commandes pour la principale œuvre d'art dans l'espace public qui sera réalisée au cours de ce mandat 2020-2026.
Vous savez toutes et tous que la place Grand Clément fait l'objet d'une rénovation lourde, en l'occurrence avec le passage du tram T6 qui va profondément la faire évoluer. Et dans le cadre de ce projet, il a été décidé de faire une œuvre d'art qui aura une thématique en lien avec l'histoire des femmes à Villeurbanne. Plusieurs thématiques ont été prévues pour le choix des artistes qui traiteront ces thématiques. L'œuvre d'art intégrera également une dimension participative avec la population. Ça figure au cahier des charges. Donc pour les artistes qui, pour le moment, sont en train de plancher sur le choix qui sera ensuite soumis à la commission qui sélectionnera l'œuvre finale, et une somme de 150 000 euros donc, est répartie entre la métropole et la ville pour cette œuvre d'art. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, la parole est au groupe Villeurbanne progressiste, M. Stéphane Colson. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, vous soumettez ce soir à notre approbation de signer la convention de groupement de commandes entre la métropole et la ville de Villeurbanne pour l'acquisition d'une œuvre d'art dans le cadre du réaménagement de la place Grand Clément. Et monsieur l'adjoint, et je l'en remercie, a précisé que c'était la principale œuvre qui serait installée dans l'espace public au cours de ce mandat, ce qui va peut-être rajouter à mon propos. Donc ce projet de réaménagement est un projet engagé dès avant cette mandature, le projet de réaménagement de la place, et aux enjeux, voire aux crispations parfois engendrées, très importants. Et finalement, quant aux enjeux du mois, c'est presque aujourd'hui comme une réminiscence de l'histoire, puisqu'il y a un peu plus de 100 ans, c'est le maire Jules Grand-Clément qui initia la création du nouveau centre-ville, les gratte-ciels actuels où nous nous trouvons. Le passage de la ligne de tramway T6 sur cette place, là aussi, comme une sorte de réminiscence du retour des tramways dans l'espace public, va relier désormais directement les deux centres-villes historiques de Villeurbanne. Il nous est proposé ce soir donc que soit installée sur cette place Grand-Clément une œuvre d'art qui aura, pour reprendre les termes de la délibération et qui ont été rappelés en présentation, je cite, comme enjeu de valoriser les femmes et mettre en valeur leur contribution dans l'histoire et le présent. C'est évidemment une cause juste, légitime, et en plus, c'est dans les priorités affichées par les deux exécutifs, la métropole et la ville de Villeurbanne, et validées par le résultat des urnes. Nous n'avons sur ce point aucun grief à faire. Ce qui nous interroge, en revanche, et je le dis d'ores et déjà, ce qui vaudra notre abstention sur ce vote, c'est qu'en choisissant d'autorité ce sujet pour l'œuvre, la métropole et Villeurbanne, pour une raison finalement doctrinaire, se privent de célébrer cette histoire si singulière et extraordinaire de Villeurbanne et dont, à coup sûr, des femmes ouvrières ont participé. En imposant cette thématique, on se prive de mettre en avant ce que, sur ce quartier Grand Clément, les gens ont vécu et vivent de savoir-faire, de capacité à s'adapter, à changer, et peut-être que la proposition, qui n'en est pas une de la thématique, je n'ai pas de proposition particulière à faire, mais je pense que là, on aurait pu, en tout cas, faire participer la population. J'ai entendu qu'elle participerait au choix de l'œuvre, mais on aurait dû, de mon point de vue, de notre point de vue, faire participer aussi la population au choix de la thématique. Parce qu'on prend là le risque que cette œuvre, lorsqu'elle sera installée, ne soit jamais appropriée par les habitants, alors que cette installation peut être l'occasion d'une expression différente que celle que l'on a connue ces derniers mois sur ce territoire de la place Grand Clément. Et c'est dommage parce que cela engage tout de même 150 000 euros de deniers publics, ce qui n'est pas négligeable en ces temps d'inflation. Et c'est d'autant plus dommage que le maire de Villeurbanne est aussi vice-président en charge de la culture à la métropole et que Villeurbanne, capitale française de la culture, et ça a été souligné, et évidemment nous partageons cela, je pense notamment à la jeunesse organisatrice du Festival Réel, a fait la démonstration qu'elle a des idées en matière de culture et d'art. Si j'osais, pour continuer à filer la métaphore des jeux télévisés, c'était peut-être pas question pour un champion, mais il aurait peut-être pu faire question à la population sur le choix de l'œuvre. Merci. Merci. Monsieur Friou. Oui, alors on ne va pas filer très longtemps la thématique, mais bon, pour question pour un champion, on repassera sur l'histoire de Villeurbanne, puisque ce n'est pas Jules Clément, mais Lazare Goujon qui a impulsé le centre-ville quand même. Voilà. Jules Grand Clément est connu pour effectivement avoir fait d'autres travaux dans la ville, mais c'est bien Lazare Goujon qui a déplacé le centre vers les gratte-ciels et la mairie où nous nous trouvons.
Alors, cette thématique, nous l'assumons toutes et tous, hein, mes collègues adjointes au maire et ainsi que mes collègues conseillères et vice-présidentes de la métropole de Lyon. Pourquoi ? Ben, c'est parce que c'est aussi un nécessaire rééquilibrage dans l'espace public et dans les arts visuels et les arts plastiques en général. Ça participe d'une politique plus générale de rééquilibrage de la culture en faveur des femmes et en faveur des créatrices. Je crois que c'est une politique que Roselyne Bachelot, d'ailleurs, a beaucoup défendue dans la fin de son mandat. Et puis la participation sera effectivement au cœur du choix de l'œuvre de l'artiste. Alors il ne s'agit pas de faire de la démagogie ou de choisir à la population ce sur quoi elle voudrait que l'artiste crée. Non, c'est bien l'artiste qui est au cœur du processus créatif et qui va elle-même, puisque dans les finalistes, il y a trois artistes femmes, c'est l'artiste qui va elle-même aussi nous proposer un projet qui intégrera une participation de la population, soit dans la conception de l'œuvre, soit dans la réalisation elle-même. Le cahier des charges est suffisamment large pour cela, pour ne pas imposer, encore une fois aussi, à l'artiste ce qu'elle doit faire. Voilà. Donc moi, je crois qu'on est ici dans un exemple très intéressant de rééquilibrage thématique de la culture sur la place aux femmes dans la culture, et puis également d'expériences très équilibrées entre la confiance à une artiste et puis l'intégration de la population dans une œuvre d'art qui va transformer son cadre de vie au quotidien. Merci, Monsieur Friou. Quelques mots, puisque Stéphane Colson m'a interpellé en tant que vice-président à la culture. Donc, bien sûr, quand c'est sur Villeurbanne, j'essaye de ne pas intervenir dans les choix entre l'adjoint en charge de la culture et la vice-présidente en charge de l'urbanisme. Comme ça, ça permet d'avoir un peu de distance. Pour autant, je suis obligé de vous rappeler qu'on a voté une délibération le 21 juin 2021, le « on » étant les conseillers métropolitains, dans lequel il y a eu trois orientations principales que sont la culture, levier de lutte contre les exclusions, le soutien à la structuration des filières, notamment celle des arts visuels et des arts plastiques, et puis comment est-ce qu'on fait territoire, et deux autres axes qui sont la question de l'égalité femmes-hommes dans la culture, et la question de la transition écologique. Donc, y compris ce choix sur la question de la place des femmes dans l'œuvre artistique qui a été proposée, répond à cette orientation. Et de mémoire, je ne me rappelle pas que le groupe auquel vous appartenez à la métropole se soit exprimé contre cette délibération 4 du 21 juin 2021. Mais pour autant, on comprend votre alerte sur le fait qu'il faut bien sûr échanger, discuter avec les habitantes et les habitants sur la question de la culture. Ce qui me gêne parfois, et je ne dis pas que c'est le cas de votre intervention, mais c'est que très souvent, dès qu'on touche à la question de la place des femmes, on dit qu'on est pour, mais on avance toutes les hypothèses qui permettraient de ne pas leur laisser toute la place qu'elles méritent dans nos politiques publiques. Écoutez, si le volontarisme dont nous faisons preuve en la matière vous gêne un peu au détriment de celui que nous laissons la place aux habitants, on sera vigilant pour la suite, mais il nous semble que ce combat le méritait. Je vais mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Nous passons à deux rapports qui ne sont pas forcément en lien direct sur le territoire, mais ce sont deux avenants à des conventions de renouvellement urbain de la métropole de Lyon dans le cadre de l'ANRU. L'un qui porte sur les buères notamment. Et donc, il y a des demandes d'intervention groupées sur les rapports 70 et 135. Avant ces interventions, Madame la Première Adjointe va présenter rapidement ces avenants. Merci, Monsieur le maire. Oui, en effet, ce sont donc deux délibérations qui concernent le programme de renouvellement urbain qui sont soumises au vote du Conseil municipal, une concernant l'échelle métropolitaine et le deuxième concernant plus particulièrement le quartier des Buères. Et nous devrions avoir d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2024 une convention idoine sur le quartier Saint-Jean. La convention métropolitaine concerne 13 sites qui sont situés à Lyon, à Bron, à Rieux, à Vénissieux. Je ne vais pas faire le tour de toutes les villes de la métropole. Et puis, nous, donc, pour le quartier des Buères.
Vous le savez, ce conventionnement ouvre droit à des subventions de la part de l'Agence nationale de rénovation urbaine et qui, en contrepartie, impose aux collectivités, villes et métropoles, des contreparties foncières pour permettre à Action Logement, le premier financeur de l'ANRU, de construire des logements à destination en priorité des salariés. Le choix de ces sites procède de critères à la fois urbains et sociaux qui concernent la dégradation du bâti, l'enclavement du quartier et la fragilité sociale. Vous le savez, cette politique est née au début des années 2000 sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo et cette politique s'accompagne de démolitions qui permet en particulier d'ouvrir le quartier sur la ville. À l'échelle de la métropole, ce sont plus de 5000 logements qui doivent être démolis. Je voulais intervenir ce soir particulièrement sur la position que Villeurbanne a toujours défendue, une position extrêmement mesurée sur les démolitions. Il a fallu beaucoup batailler contre l'ANRU, contre l'État, contre la métropole, notamment sous le précédent mandat. Maintenant, avec le changement d'exécutif depuis 2020, nous sommes globalement sur la même ligne, parce que nous savons que ces démolitions constituent un traumatisme. Déménager, c'est quitter un logement où l'on a vécu un morceau de vie, et c'est toujours compliqué. Mais c'est aussi, au nom de l'intérêt général, parfois aussi une opportunité pour certains ménages qui le souhaitent de quitter le quartier. Et démolir des immeubles, c'est aussi, parfois, quand ils ne garantissent pas une bonne santé à ses habitants, d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Et je pense notamment, dans le quartier des Buères, à la résidence Croix-Luizet, aussi surnommée la résidence des Italiens. Elle avait été construite quand le périph' Éric n'existait pas et après la bretelle passait quasiment sous les fenêtres des habitants. Et donc je pense qu'on peut en convenir que ces démolitions étaient nécessaires. La convention concernant le quartier des Buères permet un ajustement notamment sur les volumes financiers. On passe de 32 à 38 millions d'euros sur le projet. Et je terminerai en vous invitant à aller découvrir la qualité des rénovations qui ont eu lieu sur ce quartier des Buères. La qualité à la fois des rénovations des bâtis, mais aussi la production de nouveaux espaces publics ouverts à tous et tous qui transforment profondément le quartier. Merci. La parole est au groupe communiste et républicain, Madame Antoinette Butet. Merci, Monsieur le maire, Madame la rapporteure, chers collègues. Alors, Madame la rapporteure, je vais redire ce que vous venez de dire. Bon, je vous rejoins tout à fait. Le renouvellement urbain désigne la politique visant à transformer en profondeur des quartiers prioritaires. À Villeurbanne, ce programme s'applique aux quartiers de Saint-Jean et des Buères Nord, quartiers proches du périphérique. Schématiquement, on peut dire qu'il y a deux écoles en matière de logement, destruction et relogement, qui semblaient avoir la faveur de l'ancien président de la métropole, ou rénovation de l'existant avec les améliorations en matière d'isolation et de lutte contre la pollution. À Villeurbanne, la majorité a fait le choix de privilégier la rénovation car elle seule garantit aux habitants la possibilité de continuer à y vivre. Ainsi, 80% des 750 logements concernés ont pu être préservés. Le présent amendement apporte des précisions sur les rénovations, en particulier sur l'adaptation de nombreux logements au handicap et au vieillissement. Il nous informe que nous devons renoncer à construire 15 logements en accession sociale à la propriété. C'est assez peu au regard des 115 initialement prévus, mais cela souligne, à mon sens, le bien fondé du choix politique qui a été porté par la majorité. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est au groupe Cercle Radical Villeurbannais, Monsieur Frédéric Vermelin. Ah ben, et Cercle Radical et Place Publique, ouais, deux petits... Monsieur le maire, chers collègues, le quartier des Buères, donc l'un des plus anciennes villes urbaines, a beaucoup évolué, comme d'autres. Les enjeux auxquels il fait face depuis de nombreuses années ont justifié successivement un classement en quartier prioritaire au titre de la politique de la ville et un classement en tant que quartier de priorité nationale au titre de l'ANRU. Il en va de même pour le quartier Saint-Jean, confronté à des problématiques assez similaires. Le classement à l'ANRU d'un quartier, c'est un levier important et au Buère, le projet va faire de la rue du 8 mai 45 un axe de vie et d'animation entouré de logements accessibles et de qualité, d'équipements publics et d'espaces extérieurs faisant une belle place à la nature en ville. Si les contrats de ville sont portés par la métropole, Villeurbanne s'est toujours fortement impliqué dans les projets développés sur son territoire avec le souci de la prise en compte des habitants, souvent très attachés à leur quartier.
Le projet est entré dans sa phase opérationnelle en 2020 avec des démolitions, des rénovations, des aménagements ont commencé pendant les études et ont continué pour préparer la suite. Et bon, les premières réalisations commencent à être visibles avec la livraison de certains programmes. La proximité avec le terrain des sœurs, qui fait l'objet d'une opération ambitieuse, a permis de s'appuyer sur les atouts appréciés par les habitants, comme la présence d'espaces verts et la disponibilité de grands appartements, facilitant le logement des familles pour rénover et réorganiser le quartier. L'avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, qui fait l'objet de cette délibération, rend possible la diversification de la typologie des logements pour répondre aux nouveaux besoins, tout en favorisant la mixité sociale et l'inclusion, avec notamment 70 logements adaptés au handicap et au vieillissement. La ville a tenu à conserver une part significative de logements sociaux et à faciliter pour les habitants qui le souhaitent un maintien dans le quartier. Pour autant, cela ne passe pas forcément, et c'est l'objet de certains échanges que nous avons eus précédemment, ça ne passe pas forcément par une conservation du bâti. La démolition est parfois la seule option pour corriger les erreurs urbaines du passé ou pour améliorer profondément l'habitat. Donc c'est largement le cas au Buère et à Saint-Jean, avec plus de 5000 logements démolis, mais au total, sur l'ensemble de la période. C'est le prix à payer pour rendre possible un vrai renouvellement et l'accueil des services publics, avec la pérennisation de la maison des services publics, l'installation d'associations et d'une antenne de la mission locale. Le cofinancement de nouveaux postes, dont un agent de développement pour le site de Saint-Jean, c'est un atout supplémentaire. Et nous notons également que l'ensemble des prestataires est soumis à une charte locale d'insertion, ce qui se fait de plus en plus et qui est évidemment très important, puisque dans un projet d'envergure, la manière compte évidemment beaucoup aussi. Nous saluons le volontarisme de la métropole dans sa politique de logement et la vision portée par la ville, et la vision et l'implication forte de la ville, bien sûr, nous approuvons cette délibération. Merci. La parole est au groupe Villeurbanne Progressiste, Madame Émilie Pro. Je vous remercie, Monsieur le Maire. Donc, Monsieur le Maire et chers collègues, ces délibérations nous rappellent le double objectif de ces avenants aux conventions cadres de renouvellement urbain, l'intégration pleine des quartiers concernés dans la dynamique métropolitaine et l'accompagnement et le soutien des habitants grâce à des actions concrètes. Madame la Première Adjointe avait pu nous donner fin mars quelques éléments en commission au sujet de la limitation du nombre de logements démolis, car en effet, dans la continuité du précédent mandat, la demande continue d'être inférieure aux souhaits de l'ANRU à Villeurbanne. Par ailleurs, le processus de relogement des résidents des immeubles avait été abordé. Il doit faire l'objet d'une attention particulière et adaptée à leurs besoins, en complément de l'aspect financier lié au plafonnement du nouveau loyer. Nous déplorons aussi que certains doivent ainsi quitter Villeurbanne où ils ont des attaches. Toutefois, nous n'avons pas d'objection de principe sur les différents volets contenus dans cet avenant. Nous regrettons toutefois l'abandon du projet de 15 logements en accession sociale au sud de la résidence Pranard. Ce type d'opération qui favorise la mixité et enracine les habitants dans un quartier aurait eu tout notre assentiment. Cet équilibre entre la nécessité de rénovation énergétique, de mixité sociale et de bien-être des habitants est le grand défi auquel s'attelle le NPNRU depuis 2014. Derrière les chiffres, ce sont 3 millions d'habitants qui verront leur cadre de vie changer d'ici 2030. Nous souhaitons donc saluer la persévérance de l'État dans les différents plans portés par l'ANRU. Et comme cela a été rappelé depuis le plan Borloo initié en 2003, nous sommes en quelque sorte dans le cadre d'un pacte républicain ou d'une union nationale pour le logement. Dans cette perspective, Monsieur le Maire, vous avez été nommé membre du CNR Logement aux côtés du ministre Olivier Klein, dont la sensibilité ne semble pas si éloignée de la vôtre. Dans la continuité du discours du président de la République le 10 mai dernier, nous espérons donc que c'est la politique pour le logement qui en sortira gagnante et que nous ne verrons pas, comme sur d'autres sujets, malheureusement la sécurité ou d'autres, des renvois de balles incessants avec une partie de votre majorité et de la métropole envers les instances nationales. Par ailleurs, nous souhaitions saluer des initiatives fortes venant du secteur privé et ou associatif en faveur de l'investissement locatif solidaire et responsable, porté par Habitat et Humanisme, Gestia Solidaire et d'autres organisations. Grâce à eux, et malgré l'image de recherche de rentabilité attachée encore aux bailleurs privés,
C'est aujourd'hui un nombre croissant d'entre eux qui partagent l'idéal de permettre l'accès à un logement digne, accessible à tous, et de contribuer à l'intérêt général dans un contexte de hausse du coût de la vie et de la restriction de l'accès au crédit. Enfin, le fait d'avoir retenu la compétence logement dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain nous semble à première vue un bon indicateur. Grâce à cet outil complémentaire, nous serons attentifs aux avancées dans les prochaines années. Dans l'attente, notre groupe votera favorablement sur ces deux délibérations. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe Villeurbanne Insoumise Ensemble, Madame Danielle Carasso. J'arrive à la fin. Par nos interventions, nous nous répétons, mais j'apprécie, nous nous complétons également. Je trouve ça très agréable. Donc voilà, vous allez m'écouter maintenant. Faut-il raser les logements sociaux et les reconstruire, ou bien faire des travaux pour les réhabiliter ? Dans le logement social, c'est souvent la question qui se pose dès qu'on veut améliorer les bâtiments où vivent les locataires. C'est un secret de polichinelle. On sait que l'État préfère la première option, démolir et reconstruire. C'est moins cher et moins complexe que de réparer. Pourtant, faire des travaux a plusieurs avantages que la démolition n'a pas. Cela répond parfois aux demandes des habitants et habitantes qui ne veulent pas quitter un logement qu'ils aiment. Cela évite aussi la création de déchets issus du bâtiment. Selon l'ADEME, la construction d'un bâtiment neuf nécessite, je vais trop vite, 80 fois plus de quantité de matériaux que sa réhabilitation. Je crois que je vais aller moins vite, hein, tant pis si je dépasse. Nous sommes donc satisfaits qu'à Villeurbanne, le nombre de réhabilitations soit plus de 2 fois supérieur à celui des rénovations et que toute offre démolie soit recréée, même si ce n'est pas dans le quartier des Buères. La priorité, ce doit être de répondre aux besoins des habitants. La démolition ne devrait jamais être une façon de se débarrasser de leurs demandes en services publics ou en travaux d'isolation. Au-delà du logement, les quartiers d'habitat social doivent bénéficier, comme les autres, des services publics et commerces de proximité qui rendent la vie plus agréable et facile. Les démolitions ne doivent pas non plus empêcher les locataires du parc social de rester dans leur quartier. Si c'est ce qu'ils souhaitent, on ne doit pas les forcer, parce que leur logement a été détruit, à en choisir un autre dans un endroit qu'ils n'apprécieraient pas. Un déménagement contraint défait les solidarités entre voisins, le sentiment de faire partie d'une grande famille et qui va se trouver disloqué à la fin des moments partagés. Bref, la démolition doit être la solution de dernier recours. Au contraire, les opérations que nous menons avec l'État sont des opportunités pour reloger ces ménages selon leurs souhaits. Ceux et celles qui voudraient rester dans leur quartier doivent le pouvoir, et ceux et celles qui veulent le quitter peuvent utiliser le programme de renouvellement urbain comme une opportunité pour le faire. Un dernier mot sur les risques de ces projets. La répartition des personnes dans différents quartiers sous prétexte de mixité sociale et de rupture avec la ghettoisation, entre guillemets, ne doit pas se faire qu'au bénéfice des couches moyennes. Nous ne devons pas encourager la gentrification au détriment du maintien des délogés dans leur quartier. Malheureusement, nous constatons souvent que la mixité sociale est imposée dans les quartiers populaires, alors que la bourgeoisie résiste toujours à cette mixité dans les beaux quartiers. C'est pourtant l'amélioration des conditions de vie et de socialisation des habitants des milieux défavorisés que nous devons poser comme une priorité. Nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie. Merci. Madame la Première adjointe. Merci, Monsieur le maire. Merci, chers collègues, pour vos interventions qui, donc, globalement, même collectivement, soutiennent la position de la ville sur l'enjeu des démolitions et ces démolitions mesurées. Vous avez souligné également la dimension des services publics qui sont extrêmement importantes, que c'est vrai que les opérations de renouvellement urbain permettent de mieux financer pour maintenir et renforcer des équipements publics dans les quartiers. Je pense en effet à la maison de service public, au passage 33, à l'antenne de la mission locale qui ont notamment permis avec ce projet dans le quartier des Buères. Vous avez insisté aussi sur cette dimension, sur la triple dimension, sur les démolitions, la
dimension sociale, quitter en effet son logement, quitter son quartier, la dimension économique, comment en effet quand on déménage on n'a pas à payer un loyer qui serait bien plus important dans le cadre des déménagements. Et puis la dimension écologique, je le rappelle, 40% de l'empreinte carbone d'un bâtiment est liée à sa construction. Donc en effet, les enjeux de rénovation sont absolument majeurs. Madame Prost, je me permettrai de vous répondre. Je pense que le maire va également vous répondre, mais je ne suis pas aussi confiante que vous sur la bataille collective pour en faveur du logement tel que le gouvernement l'envisage. Nous attendons avec impatience les annonces autour du Conseil national de la refondation sur le groupe logement, dont les conclusions ont été retardées à plusieurs reprises. Et les lignes qui nous avons pu lire dans le magazine Challenge la semaine dernière sur le président de la République proposant comme seul ayant comme proposition pour sortir de la crise du logement le logement intermédiaire, nous font dire vraiment qu'il n'a pas compris les enjeux de la politique du logement. Ce n'est pas avec une offre locative qui s'appuie sur des investisseurs privés qui va permettre de financer la construction de nouveaux logements. Aujourd'hui, on est face à une triple crise, une crise des coûts de la construction, une crise de la spéculation foncière et une crise de la solvabilité des ménages. Et ces trois crises méritent qu'on s'y attarde largement, que ce soit non pas une mesure gadget autour des logements intermédiaires qui soit comme seule réponse, mais bien une réponse complexe, étayée, qui vienne prendre en compte l'ensemble de la chaîne du logement, à la fois les ménages les plus modestes, ceux qui sont contraints de vivre encore dans des centres d'hébergement d'urgence, ceux qui attendent depuis des années des logements sociaux et ceux qui n'accèdent plus à la propriété en raison des prix bien trop importants. Je le rappelle aujourd'hui que les programmes immobiliers qui sont mis en vente aujourd'hui sont autour de 6 000 euros à Villeurbanne, ce qui est bien sûr complètement inaccessible pour la quasi-totalité de la population. Je vous remercie. Merci. Bon, vu qu'Agnès Touvenot a fait du teasing sur mon intervention, du coup, il faut que je vous réponde. Mais permettez-moi juste au préalable une petite réaction sur l'intervention de Daniel Carasso. Je crois qu'on gagne à pas être trop caricatural dans le propos. Et aujourd'hui, l'ensemble des politiques de l'habitat sur cette métropole font en sorte que cette mixité, elle existe dans un sens comme dans l'autre. Peut-être qu'il y a d'autres territoires où ce n'est pas le cas, mais en tout cas, sur la métropole, à chaque fois que les projets sont de maîtrise d'ouvrage de la métropole, il y a certaines villes qui ont fait le choix de ne pas accueillir cette diversité, mais sinon, nous le faisons. Et dans les propos, Agnès Touvenot a parfaitement répondu sur la question de la position du gouvernement actuellement. Oui, je confirme, le travail avec Olivier Klein s'est extrêmement bien passé. Mais oui, je confirme aussi que, comme Agnès Touvenot, un doute me saisit sur la véritable volonté du président de la République de faire des politiques publiques du logement un véritable outil pour répondre à la crise sans précédent que connaît ce pays. Et ce qui est un peu inquiétant, mais du coup, je ne vais pas vous refaire la tribune que j'ai fait dans Le Monde, y compris dans laquelle je dis au président de la République de faire confiance à son ministre Olivier Klein. Donc je ne peux pas être plus clair sur le fait que pour l'instant, ce qu'on fait avec le ministre, ça va. Mais si aujourd'hui, puisque vous m'avez renvoyé à une forme de ping-pong avec l'État national, oui, quand Villeurbanne est au rendez-vous, que ce soit dans l'action des politiques publiques menées, notamment en matière de sécurité par Yann Crombeck et les services, et que en face, le ministre de l'Intérieur, ne se déplace même pas une fois à Villeurbanne, n'accepte même pas une fois de discuter avec nous de la situation, et puis surtout fait des annonces dans le TGV qui ne sont jamais suivies d'effet, bien je peux avoir une forme d'inquiétude. Et tant que ce gouvernement sera dans un ministère de la parole, bien écoutez, vous pouvez compter sur moi pour porter la voix de l'action et des réalisations, parce que c'est ce que nous faisons ici. Et encore une fois, j'aurais donné à voir que j'étais prêt à travailler avec ce gouvernement. C'est plus le 9 mai, c'est peut-être le 5 juin. Espérons que d'ici le 5 juin, le ministre du Logement aura des arbitrages un peu plus favorables qu'il ne semble les avoir aujourd'hui de la part du président de la République. Et si j'insiste sur le président de la République, c'est que je pense véritablement que le président de la République a un problème avec la politique du logement en France et qu'il a un problème de compréhension, d'appréhension des difficultés des citoyennes et des citoyens par rapport à cette question du logement, et que non, même si je sais qu'aujourd'hui c'est plutôt une politique libérale qui a été choisie par ce gouvernement,
Non, le marché ne peut pas à lui seul régler la crise du logement. Il y a besoin d'action publique. En tout cas, c'est le sens des propositions que nous faisons avec tous les acteurs du logement, de l'hébergement d'urgence jusqu'aux promoteurs privés. Donc, en tout cas, nous espérons ensemble que ce gouvernement écoute les propositions et du CNR et de son ministre logement. Je vais mettre aux voix ces deux rapports. D'abord, le rapport 70. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre, approuvé. Ensuite, le rapport 135. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre. Il est approuvé. Nous passons au rapport 142 sur la gestion sociale et urbaine de proximité. Il n'y a pas de demande d'intervention. C'est M. Mathieu Garabédian qui rapporte. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Rapport 134, l'acquisition d'un local au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 25 rue Hippolyte Cagne. C'est Mme Touvenot qui rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 139, l'acquisition de la loge du gardien située 22 Allée des Cèdres. Ça pourrait être un titre de roman. Mme Agnès Touvenot rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre. Il est approuvé. Le 129, redevance d'occupation du domaine public aux artisans pour un emplacement avec un chalet pour le marché de Noël, déjà 2023. C'est M. Paul Campi qui rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre. Il est approuvé. Le rapport 127, taxe locale sur la publicité extérieure. Ce sont les tarifs 2024. C'est Mme Caroline Roger-Sépi qui rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 137 sur la tarification des salles associatives. C'est Mme Christine Goyard-Gutfin qui rapporte. J'ai une demande d'intervention. Est-ce que Mme Gutfin souhaite en dire un mot avant ou est-ce qu'elle a... Ah, mais elle n'est pas là. Elle est excusée, pardon. Du coup, je vais donner la parole immédiatement à Mme Laura Gandolfi pour le groupe socialiste citoyen-citoyenne Villeurbanne-Villeurbanne. Merci, Monsieur le maire, chers et chers collègues, mesdames et messieurs. Il n'y a pas d'armure plus solide contre l'oppression ni d'outils plus merveilleux pour les grandes œuvres. C'est avec ces mots que le député Waldeck Rousseau porte au Parlement le débat sur la liberté d'association en 1901. Plus de 120 ans plus tard, cette phrase résonne d'une étonnante acuité à Villeurbanne en particulier. Avec plus de 3300 associations vivantes, la vitalité du tissu associatif est un gage de démocratie, mais aussi de solidarité. Par leur objet, elles participent à l'intérêt général. La transition écologique, sociale et démocratique, la solidarité et la lutte contre les discriminations sont des combats qui se mènent historiquement à de petites échelles, au plus près du terrain et des citoyens. Des combats qui font écho aux valeurs portées par l'équipe municipale, renforçant ainsi des politiques publiques menées par les services municipaux. Ce soutien aux associations se concrétise par le versement de subventions directes, mais aussi par la mise à disposition de matériel et d'équipements à vocation sportive, culturelle ou polyvalente, permettant à de petites structures de se réunir pour un coût prenant en compte les ressources réduites des associations. Ce sont des équipements précieux permettant aussi bien la tenue d'événements de grande envergure que de petites réunions ou tout simplement de pouvoir se domicilier et recevoir du courrier, en un mot, exister. Au-delà des moyens matériels, le soutien à la vie associative passe par une relation de confiance entre la ville et les associations. Une confiance qui implique la transparence, tant pour les citoyens que pour les associations elles-mêmes. Et l'actualité nous a montré que certaines collectivités assumaient une forme de chantage à la subvention pour des motifs politiques, corollaire d'un clientélisme à peine dissimulé. Ces pratiques n'ont leur place nulle part et certainement pas à Villeurbanne. La ville a mené un travail de refonte de ses critères d'attribution des subventions pour conforter les partenariats existants et en faire émerger de nouveaux.
Il y a bien sûr d'importantes structures qui sont des partenaires quasi institutionnels, mais aussi des petites structures qui méritent un accompagnement plus fin et qui portent des projets inestimables en termes d'animation sociale d'un quartier, pour la mise en lumière d'une culture, d'une pratique ou tout simplement pour créer du commun. Aujourd'hui, Villeurbanne est connue pour être une ville accueillante, culturelle, en témoigne la capitale française de la culture, associative, favorisant la mutualisation des savoirs, le vivre ensemble. C'est d'ailleurs une partie de l'histoire de Villeurbanne que constitue le réseau d'associations. N'oublions pas la richesse apportée par toutes ces personnes qui, au début du XXe siècle, sont venues de nombreux pays européens pour travailler dans nos usines, production de la viscose par exemple, et s'est poursuivie à chaque fois qu'il s'est agi d'accueillir des personnes en situation économique précaire ou en danger, issus de pays bien au-delà des frontières européennes, Afrique, Amérique latine. À ce point de mon intervention, je ne saurais trop vous conseiller la lecture d'un bouquin de Paola Pigani qui s'intitule « Et il dansait le dimanche » et qui raconte la vie de tous ces travailleurs et travailleuses qui, quelquefois d'ailleurs, ont laissé leur vie dans des conditions de travail assez, vraiment très, très difficiles. Mais le réseau associatif doit aussi répondre à d'autres objectifs. Je pensais que vous alliez annoncer à ce moment-là de votre intervention que vous alliez conclure sur ce beau conseil de lecture, Madame Laura Gandolfi. Parce que, je ne sais pas si vous voyez le chronomètre. Trois minutes, juste... non, je ne l'ai pas vu. Oui, voilà. Vous avez... Non, mais allez-y, mais je vous alertais sur le fait que vous aviez déjà largement dépassé. D'accord. Donc le réseau associatif doit aussi répondre à d'autres objectifs et permettre le développement de nouvelles associations en lien avec les besoins du XXIe siècle, car c'est à partir d'associations qui mettent en évidence des besoins nouveaux que s'institutionnalise ensuite la réponse à apporter à nos concitoyens. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la ville a par exemple organisé le 9 mai la 5e rencontre de la coopération associative qui favorise les complémentarités entre les projets. Notre groupe votera ce rapport. Excusez-moi pour le dépassement. Merci. Ça n'appelle pas forcément de réponse. C'était plutôt un plaidoyer pro domo pour la vie associative. Donc je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il... Le livre est magnifique. Merci, Monsieur Gieuse. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est approuvé. Nous passons au rapport 130. Demande de subvention auprès de l'État au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. C'est M. Krombeck qui rapporte. J'ai deux demandes d'intervention. M. Krombeck, vous en dites un mot? Monsieur le maire, je vais attendre les commentaires ou les questions, et puis je répondrai. Très bien. De ce fait, la parole pour le groupe Villeurbanne progressiste est à Mme Virginie Demars. Monsieur le maire, chers collègues, nous constatons votre volonté depuis le début de votre mandat de faire appel à tous les moyens et outils mis à disposition par l'État pour assurer la sécurité publique de Villeurbanne, incluant l'augmentation des effectifs de la police nationale. Et nous ne pouvons que vous soutenir dans cette démarche. Également, nous ne pouvons qu'encourager le développement des flux vidéo qui, selon la convention que vous avez signée avec la DDPS, permet un partage de la vidéo en temps réel avec les forces de la police nationale pour intervenir plus rapidement, gérer les difficultés d'ordre public et d'accélérer les procédures pénales. Contrairement à votre homologue de Lyon, où la colère des habitants ne cesse de monter avec une insécurité grandissante. Sur cette délibération, l'idéologie n'a pas sa place en ce qui concerne la sécurité des habitants. Nous rappelons que le maire, qui représente les habitants de sa commune sans exception et distinction, doit respecter et faire respecter la loi et veiller au maintien de l'ordre public dans sa commune. Par ailleurs, nous espérons que l'augmentation des flux vidéo ne soit pas détournée vers de la vidéo-verbalisation, même si nous soutenons ces moyens pour un apaisement de la voie publique. Malgré tout, il faut bien comprendre aussi la difficulté de nos concitoyens à se garer sur Villeurbanne avec la suppression radicale à vitesse grand V des stationnements sur les rues ou l'augmentation des places payantes sur le territoire, sans compter tous les travaux en cours rendant la circulation difficile. Il aurait peut-être fallu avoir une réflexion plus large.
Concernant les troubles à la tranquillité, vous avez mis en place depuis 2021 un poste mobile de police municipale pour, entre autres, l'intervention et les missions de proximité des équipages de police. Également, depuis le 3 avril dernier, vous avez mis en place une brigade de cadres de vie pour lutter contre les incivilités du quotidien. Seulement, nous nous interrogeons sur le périmètre, sur les horaires, sur l'efficacité de ces missions de proximité. Un bilan de votre politique sécuritaire depuis 2020 aurait été la bienvenue. Il faut avoir à l'esprit de ne pas se contenter de la mise en place de ces actions, car il y a toujours une forte attente des habitants de voir disparaître les incivilités sur l'ensemble du territoire villeurbanais, notamment les rodéos, les feux d'artifice, les pétards, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, ainsi que les occupations de parcs ou de stades durant la nuit qui engendrent des nuisances sonores. Dans la délibération, vous souhaitez promouvoir et développer les actions en faveur du civisme et du dialogue. Le dialogue doit effectivement se faire des deux côtés, avec et entre les habitants et les fauteurs de troubles. Tout en restant vigilant sur la volonté sécuritaire de votre majorité pour le droit à la vie paisible des villeurbanaises et villeurbanais, nous voterons cette délibération. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe Villeurbanne Insoumise Ensemble, ainsi qu'au groupe communiste et républicain pour une intervention commune. Et c'est M. Gaëtan Constant qui a la parole. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, l'intervention de Madame de Mars tombe à pic parce que je vais en partie dire le contraire. Les liens avant les biens. Et ça vaut aussi bien pour notre vie au quotidien que pour nos services publics. Nos groupes sont bien sûr d'accord avec les deux axes, renforcer la présence sociale et l'animation au cœur des quartiers et promouvoir et développer les actions en faveur du civisme et du dialogue, pour lesquelles nous demandons cette subvention à l'État. Avec ces nouvelles équipes de médiation sociale et les événements pour rapprocher la police municipale de la population, le service public s'incarne concrètement sur le terrain plutôt que derrière des caméras. Et avec notre nouvelle brigade du cadre de vie, nous pourrons aussi, petit à petit, répondre aux demandes des habitants qui veulent simplement que les règles communes pour bien vivre ensemble soient respectées par tout le monde. Mais, et ça ne va pas vous surprendre, nos groupes ne peuvent pas voter pour cette délibération. On ne peut pas se résoudre à demander plus de 355 000 euros pour installer des caméras dans l'espace public. Encore une fois, dans quelle société voulons-nous vivre? Quel service public voulons-nous incarner? Celui des liens entre êtres humains ou celui de la surveillance de masse et désincarnée? On sait bien que la vidéosurveillance ne sert à rien dans la rue. On l'a déjà dit l'année dernière, mais nous le répéterons autant de fois qu'il le faut. La seule étude qui existe à notre connaissance sur le sujet précise bien que seuls 1,1% des 1939 enquêtes grenobloises ont été élucidées grâce aux caméras. À moins qu'on ait une autre étude qui montre leur efficacité à Villeurbanne, on peut légitimement se demander pourquoi nous continuons à les installer. Je pose la question, est-ce que si nous disions non aux caméras de surveillance, nous pourrions quand même bénéficier du Fonds national pour le reste de notre stratégie de tranquillité publique? Et on peut aussi s'interroger sur le raisonnement derrière leur installation. Nous avons appris que certaines seraient positionnées sur la place Makeba dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby et qu'elles y resteraient par la suite. Mais pourquoi ici? Quelle logique y a-t-il à cette installation de long terme si ce n'est celle de l'opportunité? Pour nous, ce n'est pas une condition suffisante pour mettre sous surveillance des milliers de personnes. Pour toutes ces raisons, nos deux groupes s'abstiendront sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Monsieur Krombeck. Moi, je vais peut-être pas faire toute la synthèse de ce qui a été conduit et ce qui est dans la stratégie territoriale, parce qu'on pourrait y passer une bonne partie de la soirée, mais à travers les interventions à la fois de Madame Demars et de Gaëtan Constant, on va revenir au cœur de la délibération qui, quelque part, est une synthèse de l'ensemble des axes, moins le troisième. Puisque je rappelle que depuis le début du mandat, nous sommes bien, et c'est parfois difficile à faire comprendre, parce qu'on vote les choses les unes après les autres, mais que la logique d'ensemble, c'est bien d'avoir un triptyque qui est basé sur la partie médiation,
Le deuxième pied, c'est la partie de la tranquillité publique. Et le troisième, c'est les éléments qui sont l'accompagnement des victimes, des actes qui peuvent se faire sur le territoire, et y compris les actes de réparation, quand il y a à avoir des actes de réparation. Dans le rapport, il est proposé trois demandes au Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Deux qui portent sur des questions, on pourrait dire, de médiation, à la fois le deuxième sur la médiation sur les secteurs de Saint-Jean-Bel-Air, qui viennent compléter d'autres secteurs. Et la volonté, c'est de continuer à mettre en place ces équipes de médiation qui sont bien de la présence humaine. Et le troisième élément qui est proposé, c'est de demander la prise en charge, ou une partie de la prise en charge, de l'opération Red Prox. Il y a eu une opération qui a été conduite le 3 mai, sur le quartier des Brosses, et une qui aura lieu au mois de quartier Saint-Jean, pardon, et l'une qui aura lieu au mois d'octobre sur le quartier Tonkin, avec l'ensemble des ressources présente sur le territoire, que ce soit la police nationale, que ce soit la police municipale, mais que ce soit aussi Keolis, que ce soit les pompiers, que ce soit les éducateurs, que ce soit la mission locale, et tous ceux qui ont pu avoir l'occasion de venir le 3 mai, et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir le 3 mai, venez le 11 octobre, et vous verrez qu'on est dans une volonté, le matin, d'ouvrir Red Prox aux établissements scolaires qui le souhaitent, notamment les CM1, CM2, 6e, ce qui fait que selon les secteurs, on est bien sur les écoles primaires et les collèges, et l'après-midi, grand public, et ceux qui ont pu participer voient qu'on est bien dans une logique de proximité et de tranquillité de l'espace public et de discussion avec la population et l'ensemble des catégories qui sont présentes. Ah, le premier point, c'est la question de la vidéo la vidéosurveillance, qui est également un élément de vidéo-verbalisation. Et depuis le début du mandat, nous ne sommes pas cachés sur le fait que la vidéo pouvait servir à contrôler, mais non pas dans une volonté Big Brother de voir ce qui se passait en permanence, mais en tout cas de faire en sorte que la présence de deux ASVP en permanence derrière les écrans sur un horaire qui va de 9h du matin à 19h permettait de voir ce qui se passait sur le territoire. Et je le dis aussi, c'est que moi je rencontre un certain nombre de conseils de quartier, un certain nombre de collectifs qui se sont montés. La question qui m'est posée en priorité, c'est pas tant démonter les caméras, mais plutôt installer des caméras, et y compris les adjoints de quartier, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, voilà, sont parfois les témoins et demandent aussi à quel moment le quartier concerné pourrait être doté de caméras. Donc on est à la fois sur une demande. Moi, j'entends les débats sur on n'a pas d'études sur l'impact et l'apport. On n'a pas non plus d'études à l'inverse que ça ne sert à rien. Et nous n'avons jamais dit depuis le début du mandat que c'était l'alpha et l'oméga, la vidéo pour la vidéo. La vidéo vient appuyer un déploiement humain, parce qu'il y a des gens qui regardent des images, et regardant des images de ce qui se passe sur le territoire, permettent à la police municipale ou à d'autres forces de police ou à la sécurisation des pompiers de pouvoir agir de manière efficace. Et si vous voulez des chiffres, il y a eu 328 réquisitions en 2022 par la police nationale. Et sur ces 328 réquisitions,
Il y en a eu 21 qui ont permis de résoudre des affaires liées aux atteintes aux biens. Alors j'entends bien que le lien est plus important que le bien, mais pour ceux qui ont eu des atteintes aux biens, je pense que dans un premier temps, il n'y a pas de lien si leurs biens sont atteints. Et il y a eu 85 résolutions de faits liés aux atteintes aux personnes. Voilà. Donc je ne sais pas si ça ne sert à rien, mais j'ai envie de vous dire que rien que pour les 85 personnes qui ont été atteintes sur le territoire de Villeurbanne et qui ont pu, parce qu'il y avait eu ces caméras de vidéo qui permettaient de voir ce qui se passait sur le territoire de Villeurbanne, qui ont pu ensuite engager des poursuites et avoir potentiellement réparation, j'estime que ces caméras ont une utilité. Voilà, on peut avoir ce débat sur d'autres éléments, sur les infractions routières, pour ne pas déplaire ou pour déplaire à Madame Demars, il y a eu 7526 PV dressés via la vidéo verbalisation sur l'année 2022. Voilà, et il faut aussi avouer que la vidéo verbalisation, voilà, est un élément qui peut aider à pacifier l'espace public, à faire baisser la dangerosité dans un certain nombre d'espaces de Villeurbanne, à la sortie et à l'entrée des écoles, sur des grands axes qui sont utilisés par des conducteurs de manière un petit peu aléatoire, et que ces éléments font partie d'une sécurisation voulue, d'une tranquillité de l'espace public. Madame Demar a rappelé que depuis le 3 avril, nous avions mis de manière efficiente la brigade de cadre de vie ou de lutte contre les incivilités ou la tranquillité, mais quelque part, peu importe l'appellation qui est là, selon les moments où on en parle, la question c'est de dire oui à la présence humaine sur le territoire de Villeurbanne. Et cette brigade, je vous rassure, je vous l'ai déjà dit et je le redis, elle a vocation à être présente sur l'ensemble des quartiers de Villeurbanne, à assurer une présence humaine sur l'ensemble des quartiers de Villeurbanne, chose qu'elle ne pouvait pas faire puisque c'est un transfert d'activité des ASVP qui auparavant n'était que localisé sur les espaces où le stationnement était payant. La mise en place de la lecture automatique des plaques d'immatriculation, voilà, permet de libérer les ASVP pour d'autres missions. Et donc, sur les 19 qui sont aujourd'hui inscrits au tableau des ASVP de la ville de Villeurbanne, vous en avez deux qui sont par rotation assignés au CSU. Et les 17 autres sont, en fonction de l'organisation et des présences, assignés sur des brigades du matin et des brigades de l'après-midi, partant toujours d'un groupe scolaire pour ensuite, une fois que les élèves sont entrés, faire de l'îlotage de proximité. Et une fois que cet îlotage de proximité et qu'on va vers la fin de leur service, refaire la sortie des écoles et ensuite rentrer, et la jonction se fait avec les équipes de l'après-midi. Voilà, donc cette brigade, elle se met en place maintenant depuis même pas, un petit mois. J'ai pris l'engagement de faire un bilan sur ce qui allait se passer avec cette brigade. Voilà, mais si la question c'est de dire est-ce que l'ensemble des quartiers de Villeurbanne ont le droit à la brigade ? Oui. Est-ce que l'ensemble des quartiers de Villeurbanne et l'ensemble des citoyens villeurbannais ont le droit à une vie apaisée sur le territoire de Villeurbanne ? Oui. Et je ne sais pas si c'est une question d'idéologie, mais en tout cas, c'est la conviction que nous avons que la question de la tranquillité sur l'espace public et l'accompagnement de tout ce qui peut conduire à cet apaisement est une politique que nous conduisons avec fermeté sous l'autorité du maire. Et je crois que, y compris les collectifs que nous rencontrons de manière récurrente depuis le début du mandat, nous rendre grâce de l'écoute qu'on a de leur quotidien et des efforts que nous mettons en place pour répondre à ces questions. Et pour répondre, juste dernier point par rapport à ce que disait Gaëtan Constant sur la place Makeba, nous n'avons pas inscrit spécifiquement la place Makeba pour le FIPD, nous avons
Nous avions le projet d'une caméra sur la place Makeba. Ce que nous avons simplement fait, c'est profiter de la Coupe du Monde de rugby et du fait que cette esplanade était inscrite comme potentiellement au FIPD dans zone voyageur pour saisir cette opportunité pour demander un financement. Mais elle était d'ores et déjà prévue dans le plan de déploiement. Et si vous voulez des chiffres, parce qu'il faut être précis dans ce que nous faisons, nous serons à la fin de l'année 2023 à 264 flux vidéo sur le territoire de Villeurbanne et nous aurons continuerons à avoir un effort constant sur ces éléments. Voilà. Mais je vous donne rendez-vous le 11 octobre pour Red Prox au Tonkin et vous verrez qu'il se passe des choses formidables en termes de rapport humain sur ces questions de rapprochement entre des autorités institutionnelles, des jeunes et des moins jeunes. Merci. Bon, écoutez, je crois que Yann Krombeck a été exhaustif dans sa réponse. Je ne suis pas certain d'arriver à convaincre ce soir ni le groupe communiste ni le groupe VIE sur l'opportunité du déploiement de la vidéoprotection. Peut-être que la lecture du rapport qui a été commandé par la ville de Lyon à des consultants externes qui finalement a un point de vue en tout cas, moi, à la lecture, que je trouve assez équilibré, lui arrivera à vous convaincre. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire. C'est peut-être pour ça que le maire de Lyon n'a pas souhaité continuer le moratoire sur le développement de la vidéoprotection. Le deuxième élément, c'est que, véritablement, j'invite mes amis des groupes communistes et Villeurbanne Insoumise Ensemble à faire état de leurs convictions quand ils se déplacent dans les quartiers populaires et à le dire comme ça aux habitants, juste pour tester un peu la réception de ces propos, parce que moi, quand je le fais aujourd'hui, ce sont les quartiers qui ont le plus de difficultés à vivre au quotidien et ce sont eux qui, aujourd'hui, nous disent que, quand même, ça vient calmer un certain nombre de points de deal, et notamment à Saint-Jean, et je l'ai déjà raconté à plusieurs. La seule chose sur laquelle j'étais intraitable, c'est qu'ils m'ont dit « Nous, on veut bien que vous laissiez les caméras pour les dealers, mais par contre, pour les 135, on ne veut pas. » Et donc, voilà, il y a un accord sur le fait que c'est bien l'un et l'autre qui va avec, et ils en ont convenu. Mais au-delà de la plaisanterie, je crois vraiment qu'il y a besoin d'avoir cet échange. Ça ne dit pas ce que je pense, moi, sur le fond de la question de la vidéoprotection, mais vous savez que j'essaye de ne pas aborder les sujets avec un angle trop idéologique quand il s'agit de sujets extrêmement locaux comme cela. Et puis, pour répondre à Madame de Mars sur la question de est-ce qu'on va présenter un bilan ou pas, écoutez, moi, j'ai lu attentivement l'interview de votre collègue à la métropole, Didier Vuillerme, qui a dit plein de choses très intéressantes, mais dont le maire de Villeurbanne s'est saisi du dossier. Il faut lui reconnaître cela. Il ne se cache pas derrière son petit doigt. C'était le 5 mai. Bon, dans la même interview, il dit aussi que le PS doit disparaître. Donc, je ne sais pas si je peux complètement me ramener à cette interview. Mais en tout cas, je vois qu'il porte un jugement sur notre activité en matière de sécurité. Je vous propose de mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Monsieur Gaëtan Constant, peut-être que vous vous abstenez sur ce rapport, puisque... Par contre, Madame Laura Gandolfi, non, normalement. Mais... Non, mais je peux dire... Voilà, c'est bon, tous les groupes sont bien sur... Voilà. Bien, y a-t-il des votes contre ? Ce rapport est voté. Alors, nous passons à une série de rapports où cette fois-ci il n'y a pas de demande d'intervention. Le 114, l'attribution de subventions aux acteurs de la politique de la ville au titre de l'année 2023. C'est M. Garabédian qui rapporte. Il y a une série de déports puisqu'il y a beaucoup d'élus qui sont investis dans les associations. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Approuvé. Le rapport 115, l'attribution de subventions aux associations œuvrant dans le domaine du handicap. C'est Mme Agathe Faure qui rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 117, l'attribution d'une subvention dédiée aux acteurs de la démocratie locale au titre de l'année 2023. C'est Jonathan Bocquet qui rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ?
Il est approuvé. Le rapport 136, l'attribution d'une subvention à l'Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine. Je rapporte, puisque Mme Thouvenot est en situation de déport, je n'ai pas de demande d'intervention. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 121, attribution de subvention aux associations sportives. C'est M. Mohamed Ali Mohamed Hamada qui rapporte. J'ai une demande d'intervention. Monsieur Mohamed Hamada, vous répondrez ou vous présentez ? Dites-moi. Oui, merci, monsieur le maire et mes chers collègues. Dans la politique sportive à Villeurbanne, nous souhaitons soutenir aussi les projets portés par des associations en destination des jeunes qui sont éloignés de la pratique physique et sportive. Donc c'est pour ça qu'en plus des subventions classiques, nous avons créé cette aide qui accompagne les projets portés à destination de ces jeunes qui ne sont pas licenciés dans un club ni inscrits dans aucune activité physique. Merci. J'ai donc une demande d'intervention pour Cercle Radical et Place Publique. Monsieur Marès Benadj. Monsieur le maire, chers collègues, la pratique sportive a des vertus innombrables sur la santé, le bien-être, le lien social. Mais le sport, c'est aussi un moyen d'atteindre d'autres objectifs. C'est un prétexte pour faire avancer une cause. Villeurbanne l'a bien compris. La ville ne soutient pas que le fonctionnement des clubs. Elle soutient aussi des projets à vocation sociale, notamment dans les quartiers populaires. Nous soutenons cette approche du sport comme vecteur de progrès social. Je veux particulièrement saluer aujourd'hui le travail de sport dans la ville, Association d'insertion par le sport. Depuis 2005, cette association propose des séances sportives gratuites en pied d'immeuble à Saint-Jean. Actuellement, ils sont 80 jeunes, dont une trentaine de filles, à participer et 55 à être inscrits à Job dans la ville, qui permet de découvrir le monde professionnel. L'association porte de nombreux projets de développement sur Villeurbanne. Elle a l'ambition d'ouvrir un programme d'accompagnement des jeunes filles visant à lutter contre les stéréotypes de genre dans le sport et dans l'emploi. Il est également envisagé de déployer sur des actions d'accompagnement scolaire. Le programme Réussite dans la ville existe depuis longtemps, mais n'a pas encore pu profiter aux enfants de Villeurbanne. Enfin, l'association porte un projet sur le quartier du Tonkin qui pourrait permettre d'accompagner, à partir d'un terrain sportif, plus de 150 jeunes vers la pratique sportive et l'insertion professionnelle. La principale difficulté étant l'identification d'un foncier pouvant accueillir un terrain de proximité. Au final, sport dans la ville favorise la réussite scolaire, l'émancipation des jeunes filles, l'insertion professionnelle et évidemment la pratique sportive. C'est un programme ambitieux et qui ne coûte pas très cher aux collectivités publiques. Car l'association fonctionne en mettant à contribution le privé, en passant par le mécénat et la collecte de la taxe professionnelle. Œuvrer pour l'émancipation et l'insertion des jeunes avec peu d'argent public et en mettant à contribution les groupes privés, cela mérite d'être salué et encouragé. Notre groupe vote bien évidemment pour ce rapport. Je vous remercie. Merci. Bien, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 140, attribution de subvention aux associations étudiantes. Monsieur Friou rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 147, attribution de subvention à diverses compagnies artistiques. Monsieur Friou rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 141, l'attribution de subvention à l'association Réagis, réseau, égalité, antidiscrimination, justice interdisciplinaire. Madame Agathe Faure rapporte. J'ai une demande d'intervention. Est-ce que, madame l'adjointe, vous souhaitez en dire un mot avant ou je laisse se faire l'intervention ? Très bien. Donc la parole est au groupe socialiste, citoyenne, citoyen, villeurbanaise, villeurbanais, monsieur Yann Krombeck.
Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, la ville de Villeurbanne est engagée depuis de nombreuses années pour l'égalité et la diversité, contre les discriminations qui contrarient notre idéal républicain d'égalité et minent notre cohésion sociale. Elle intervient en apportant son soutien financier en développant des partenariats actifs avec les associations et les institutions partenaires. L'approche de notre collectivité est basée sur le droit. Rappelons qu'une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi. Cette infraction peut être punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'elle rentre dans l'une des 5 configurations définies par le Code pénal. Les discriminations peuvent exister dans le domaine de l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation, au crédit ou à des prestations sociales diverses et variées. 25 critères de discrimination sont ainsi désignés par le droit français et le droit international. La lutte contre les discriminations, c'est la lutte contre les actes consistant à mettre de côté, maltraiter ou à traiter différemment un être humain du fait de ses origines, sa couleur de peau, son genre, sa langue, son orientation sexuelle, sa religion, son handicap. La lutte contre les discriminations doit demeurer un objectif pédagogique qui débouche notamment sur l'éducation civique et l'éducation à la santé. La lutte contre les discriminations est aussi un enjeu dans le monde du travail. La lutte contre les discriminations est autant une affaire de normes que de sensibilisation, d'éducation, de réflexion et aussi de sanctions. Elle est une brique de base du travail politique pour une société qui proclame l'égalité entre ses citoyens et ses citoyennes. L'action concrète au droit est la première étape du processus de lutte contre les discriminations. Cela débute par la mise à jour des documents et formulaires proposés pour une démarche d'accès à des droits ou pour des réalisations d'actes. Pionnière en matière de lutte contre les discriminations depuis le début des années 2000, cette politique s'applique de manière transversale dans toutes les politiques publiques conduites par l'équipe actuelle municipale. Pour notre groupe, les discriminations constituent une atteinte aux valeurs fondamentales de la République, dans la mesure où elles entravent la liberté de certaines de nos concitoyens dans leur parcours de vie, où elles brisent l'égalité entre les citoyens en assignant certains à des places spécifiques et instituent en des inégalités de traitement. Les discriminations assèchent la fraternité en stigmatisant une partie des habitants et mettent à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le soutien à l'association Réagis s'inscrit donc dans une politique concrète et volontariste de lutte contre les discriminations. Des permanences étaient assurées par l'ARCAD de 2009 à 2015, puis par l'ADL, et c'est le réseau Réagis qui assure désormais ces permanences auprès d'une avocate spécialisée en LCD depuis 2020. Nous avons la chance de disposer d'un réseau vivace de lutte contre les discriminations et l'accès aux droits, ce qui permet à la fois de mieux connaître les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes, mais avant tout de les mettre en capacité de faire valoir des droits fondamentaux. Notre groupe souhaite, à l'occasion de ce rapport, saluer le travail réalisé par la Maison de justice et du droit, en lien avec la Direction prévention, médiation, sécurité de la ville. En 2022, ce sont 4896 visites d'accès aux droits qui ont été recensées, informations juridiques, aide aux victimes, conciliation, défenseurs des droits. Pour notre groupe, la lutte contre les discriminations doit être une priorité pour rendre concrète l'égalité réelle et donner toute sa réalité à l'article 1er de notre Constitution. La République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Notre groupe votera naturellement en faveur de ce rapport. Merci. Madame Agathefort. Je remercie mon collègue Monsieur Crombeck de porter si bien la lutte contre les discriminations. C'est toujours agréable de voir à quel point c'est porté par l'ensemble de l'équipe municipale. Le droit français, moi je voudrais juste rajouter, c'est un travail donc entre nos deux délégations avec Monsieur Crombeck, et le droit français et le droit européen en matière de lutte contre les discriminations est assez étoffé. Et en fait, il pourrait vraiment suffire pour lutter contre les discriminations. Malheureusement, les personnes s'en saisissent peu, les personnes victimes de discrimination s'en saisissent peu. Et donc cette délibération va dans le sens de pouvoir augmenter le nombre de saisies du droit afin de faire valoir ce droit qui est bien étoffé. Donc voilà, c'est intéressant, cette association est très intéressante pour mobiliser le droit pour faire avancer l'égalité. Je vous remercie. Merci. Je vais mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Nous passons au rapport 118. Je crois qu'il y a un des groupes qui veut faire une explicitation de vote. Monsieur Brissard. Oui, juste un mot pour dire que le groupe Génération s'abstiendra sur ce rapport.
compte tenu du fait que nous n'avons pas pu consulter avant la commission les documents financiers relatifs à l'association concernée. Très bien. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. C'est Madame Christina Martino qui rapporte. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Donc le groupe Génération. Y a-t-il des votes contre ? Approuvé. Le rapport 119, l'attribution d'une subvention aux éclaireurs et éclaireuses de France. Pour le groupe Jean Bar, c'est M. Crombeck qui rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 138, l'attribution de subvention pour un projet couture à l'école dans le cadre du budget participatif. M. Boquet rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 106, convention de partenariat entre la ville de Villeurbanne, le SPIP du Rhône et la maison d'arrêt Lyon-Corba et cinq autres collectivités. C'est M. Friou qui rapporte. J'ai une demande d'intervention. M. Friou, vous souhaitez en dire un mot avant ou je laisse la parole à l'intervention ? Un mot pour dire que c'est une nouveauté pour rejoindre effectivement plusieurs collectivités qui coordonnent une offre de bibliothèque à destination des prisonnières et prisonniers de la maison d'arrêt de Corba, et donc ça s'intègre complètement dans la vision des droits culturels que nous portons. Très bien, j'ai donc une demande d'intervention pour le groupe communiste et républicain, c'est Monsieur Cyril Hollande-Gronberg. Oui, merci Monsieur le maire. Donc Monsieur le maire, Monsieur le rapporteur, chers collègues, donc je vais commencer mon intervention par un constat qui montre que c'est un record historique, puisque dans son rapport remis jeudi dernier, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté indique qu'il y a en ce moment 73 080 personnes enfermées dans les prisons françaises. Parmi elles, plus d'un quart n'ont pas encore été jugées. Ainsi, aujourd'hui, on compte 115 détenus pour 100 000 habitants, un taux qui a doublé en 40 ans. La surpopulation carcérale augmente sans cesse, atteignant 140% en moyenne dans les maisons d'arrêt, qui concernent, rappelons-le, les personnes en détention provisoire ou celles dont la libération est proche. On est bien loin des clichés sur le prétendu laxisme de la justice française ou le caractère prétendument idyllique des prisons véhiculé il y a un an par les séances de karting de la prison de Fresnes. La réalité décrite par l'Observatoire international des prisons et le rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté déjà cité est tout autre. Et là, je pense qu'il y a lieu de citer. Donc, les maisons d'arrêt affichent un surpeuplement jusqu'à 250%, infligeant aux prisonniers à vivre à 3 par cellule, 21 heures sur 24, dans moins de 1 mètre carré d'espace vital par personne, d'être grignotés par les punaises, envahis par les cafards et les rats. Contraints pour 2100 d'entre eux à dormir sur un matelas au sol. Tous les efforts pour améliorer quoi que ce soit s'y avèrent vains. Tout est contraint par le nombre et par le temps. L'éducation, la culture, le sport, le travail, les activités, les soins, soit tout ce qui favorise la réinsertion. Pour ces raisons, je rappelle que la France a été condamnée le 30 janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant, je cite. Moins de 15 ans après son inauguration, la maison d'arrêt de Corba est déjà surpeuplée avec 1032 détenus pour 648 places. Aussi, nous ne pouvons que nous féliciter que Villeurbanne rejoigne cette convention avec d'autres collectivités, comme Vénissieux, permettant à un binôme d'agents municipaux volontaires d'apporter leur savoir-faire et leur professionnalisme à raison d'une journée par mois environ. Nous voterons donc avec un grand et bel enthousiasme cette délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Friou. Je ne suis pas sûr que ça appelle une réponse. Bien, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 143, convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Villeurbanne et l'association des jardins du Lyonnais et de la Xavière. C'est M. Brissard qui rapporte. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre, approuvés. Le rapport 116, l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Villeurbanne et la maison du citoyen, c'est M. Boquet qui rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre, approuvés. Le rapport 107, l'adhésion à l'association des ludothèques françaises, M. Stéphane Friou rapporte. Pas de demande d'intervention, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre, approuvé.
le rapport 128, contribution 2023 au groupement d'intérêt public GIP Café Culture. Monsieur Stéphane Friou rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 149 sur la collaboration de la ville au projet H2020 EU Commit visant à engager les villes européennes dans un processus participatif. C'est Madame Touvenot qui rapporte et j'ai une demande d'intervention pour le groupe progressiste. Oui, c'est très rapide, Monsieur le maire. C'est juste une explication de vote. Nous voterons évidemment favorablement. Nous encouragerons tout ce qui peut favoriser l'Europe dans cette ville qui a quand même une tradition ancienne. J'ai un de vos prédécesseurs, M. Chabroux, ne vous pouvez jamais évoquer l'Europe sans évoquer la rue des Bienvenus. Donc, toutes les manifestations qui iront dans le sens, nous ne pouvons que les approuver. Je vous remercie. Du coup, Mme Touvenot, est-ce que vous souhaitez en dire un mot ? Non, très bien. Donc, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Nous avons maintenant la communication du rapport d'activité 2022 du Conseil consultatif Ville, Autonomie et Handicap dont je parlais en introduction et c'est Madame Agathe Faure qui le présente. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Ce rapport d'activité 2022 du Conseil consultatif Ville, Autonomie et Handicap est présenté en Conseil municipal pour la première fois dans une volonté de transparence et de visibilisation. À Villeurbanne, l'inclusion a toujours été un axe important des politiques municipales et depuis le début de ce mandat, nous accélérons les transformations nécessaires à l'égalité pour les personnes en situation de handicap. Au niveau national, le Conseil de l'Europe dénonce une violation des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles par l'État français. Et à Villeurbanne, nous essayons de prendre nos responsabilités sur le sujet depuis de longues années et depuis donc le début de ce mandat, nous accélérons cela, notamment avec le renforcement de la participation des personnes concernées aux orientations municipales, ce qui est explicité dans la première partie du rapport, avec notamment le choix de groupes de travail, de thématiques pour des groupes de travail par les personnes concernées elles-mêmes. Et donc, il y a un groupe de travail sur l'accessibilité numérique et un groupe de travail sur l'accessibilité de la culture, notamment. Je tiens à saluer les liens importants avec les associations qui font un travail remarquable sur notre territoire. Nous prenons à Villeurbanne, toute l'équipe municipale prend la pleine mesure de la nécessité de travailler tous les aspects de nos décisions municipales. L'emploi, l'éducation, le sport, l'urbanisme, la culture et toutes ces actions sont détaillées dans la seconde partie du rapport que je vous invite donc à consulter. Vous l'avez tous sur vos tables et il est consultable en ligne sur le site internet. L'inclusion doit être prise en compte au démarrage des projets, non pas après, et cela dans toutes les institutions publiques. Cela ne doit pas être traité après et vu comme un travail supplémentaire, voire comme un coût supplémentaire. L'inclusion n'est pas une option. Les efforts doivent aussi être soutenus dans le secteur privé, et le droit, comme je vous le disais notamment avec l'association Réagi, doit être un appui pour faire avancer les changements. Nous aurons dans les prochaines années de gros enjeux, comme par exemple les suites à donner à notre programme de mise en accessibilité des établissements recevant du public, notre programme ADAP, qui va se terminer en 2024 et que nous allons demander de poursuivre pour 2 années supplémentaires afin de terminer ce programme. Le Covid nous a un petit peu retardé dans la mise en place de ces accessibilités, mais nous aurons terminé en 2026. Pour autant, quelle suite nous allons donner à cela ? Quels investissements nous allons faire ? De nouveaux ERP voient le jour. Qu'est-ce que nous allons faire ? Des acquisitions de la ville et comment nous allons voir ça ? Ça va faire partie des gros enjeux des prochaines années. Pour terminer et pour ne pas faire trop long, parce que le rapport explicite déjà bien tout ce qui est fait par la ville, je vais vous inviter à la semaine des handicaps qui commence lundi prochain, le 22 mai. C'est donc une semaine, comme chaque année, depuis le début du mandat, c'est chaque année que nous faisons cette semaine de sensibilisation autour des différents handicaps.
et nous veillons à ce que tous les handicaps soient représentés et d'avoir des événements portés notamment par les directions de la ville, mais aussi par les associations, sur des thèmes variés qui touchent donc l'ensemble des handicaps, l'ensemble des thématiques et qui se situent un petit peu partout sur le territoire villeurbanais. Donc je vous invite aussi à consulter le joli programme. On a des belles affiches dans la ville et puis le programme est consultable en ligne. Donc je vous invite toute la semaine prochaine à participer à cette belle semaine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et y compris dans la semaine, il y a un programme culturel avec une pièce au TNP avec les circassiens de la troupe de Mathurin Boll qui s'appelle Ali et que tout le monde nous invite à aller voir. Il paraît que c'est incroyable. Voilà. Je me permets juste de compléter l'invitation que vous nous faites. Et donc, nous finissons ce conseil avec la présentation d'un vœu présenté par les groupes de la majorité de soutien aux propositions du réseau des missions locales relatives à France Travail. C'est M. Krombeck qui rapporte. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, oui, le vœu que j'ai l'honneur de présenter est commun au groupe suivant, communistes et républicains, Villeurbanne Insoumise Ensemble, socialistes citoyens, citoyennes villeurbanaises, les écologistes, Génération, Cercle Radical et Place Publique. Il avait même été proposé à l'opposition. Pour bien préciser que c'était un vœu transpartisan basé sur les sujets d'intérêt des jeunes accompagnés par les missions locales dans le cadre du prochain projet de loi intitulé « Pour une nouvelle société de travail et de l'emploi » suite aux 99 propositions comprises dans le rapport de Thibaut Guilly. Je vais vous lire le vœu. L'emploi et l'insertion des jeunes restent une des préoccupations majeures de la majorité municipale dans un contexte économique et social difficile. Grâce à leurs 7000 points d'accueil et de permanence partout en France, les missions locales sont aujourd'hui le premier réseau d'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie. Elles sont à ce titre des partenaires essentiels des collectivités territoriales avec plus d'un million de jeunes accompagnés chaque année. À Villeurbanne, ce sont près de 70 000 jeunes qui ont été accompagnés depuis la création de la mission locale en 1994. En 2022, elle était en contact avec près de 6 000 jeunes. Plus de 3 100 jeunes ont été accompagnés et près de 2 000 ont pu accéder à l'emploi. Le projet de réforme du service public de l'emploi voulu par le gouvernement doit renforcer leur mission plus large que l'insertion professionnelle, proposant un véritable accompagnement global des jeunes vers l'autonomie, notamment en matière d'accès aux droits, de santé, de mobilité ou de logement. Cette spécificité est reconnue dans le rapport de préfiguration rendu par le Haut Commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises et qui doit être sanctuarisée dans le projet de loi gouvernemental. L'Union nationale des missions locales a adopté lors de son bureau du 23 février 2023 des propositions dans le cadre des débats en cours sur le projet France Travail voulu par le gouvernement. Ces propositions contextualisées et reprises dans une contribution dénommée « Projet France Travail, une seule boussole, l'intérêt général » visent à créer les conditions pour que les missions locales, services publics, territorialisées et partenariales de l'insertion des jeunes présidées par des élus locaux puissent aller encore plus loin dans la réponse aux besoins des jeunes, des entreprises et des territoires. Je liste les proposition du réseau des missions locales, garantir une place et un rôle décisif pour les élus du bloc communal, démocratiquement élus, pour incarner les enjeux de leur territoire et mettre en place des stratégies territorialisées dans France Travail. Deuxième proposition, refuser le projet d'algorithme d'orientation en cours de discussion qui nie les capacités de choix des jeunes et de diagnostic des professionnels et au contraire permettre aux jeunes de choisir librement leur accompagnateur sans les enfermer dans des cases. Troisième proposition, conférer au réseau des missions locales le rôle d'animateur des questions de jeunesse dans France Travail afin de mettre à profit son expertise et son savoir-faire unique acquis tout au long de ses 40 ans d'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie. Quatrième proposition, confier le portage du contrat d'engagement jeune au seul réseau des missions locales afin de mettre fin à la mise en concurrence entre acteurs du service public et ouvrir une nouvelle ère propice à une réelle coopération des membres du service public de l'emploi.
Dernière proposition, préserver l'autonomie du réseau des missions locales dans sa stratégie partenariale, notamment avec les employeurs et les partenaires publics et associatifs locaux, pour ne pas nuire à son agilité. Je vous propose donc, mesdames et messieurs, de premier tiret, de réaffirmer l'attachement fort de la ville aux actions, à l'autonomie, aux modalités de gouvernance des missions locales. Deuxième tiret, de souscrire aux propositions du réseau de la ville dans les débats en cours sur France Travail. Et troisième tiret, de demander au gouvernement de considérer les alertes et les propositions formulées par les acteurs de l'insertion, de l'emploi et de l'autonomie des jeunes. Et je me permettrai une incise pour conclure sur le fait que la préfiguration qui circule aujourd'hui au niveau de l'Union nationale des missions locales laisse augurer une faible prise en compte et une volonté de transfert vers France Travail, autrement dit Pôle emploi, sur une seule lecture d'insertion professionnelle et non pas d'un accompagnement global qui est un véritable succès vers l'insertion ou l'inclusion des jeunes de nos territoires. Et je précise que ce vœu a été voté de la même manière dans des collectivités, qu'elles fussent de droite ou de gauche, mais par contre dans l'intérêt communal et territorial des missions locales comme réseau d'accompagnement des jeunes. Voilà, je vous remercie. Merci. Je mets donc ce vœu aux voix. Y a-t-il des abstentions ? On ne participe pas aux vœux. Vous ne participez pas aux vœux, voilà, c'est ça. On maintient notre position habituelle sur des sujets qui sont nationaux. Ceci dit, sur le fond, j'ai pu, pas en tête à tête, mais dans le cadre plus collectif, échanger avec le ministre sur ces questions, donc dans la perspective des échanges concernant le texte. Je n'ai pas senti qu'il y avait, vis-à-vis de l'Union des missions locales, de désaccord majeur avec le ministère. Voilà, mais à suivre. Mais votre exposé était très technique, donc c'était presque un exposé des motifs d'un projet de loi. Donc on aura le temps de suivre cela pour avoir plus de précisions. Merci. Donc, ne prends pas part au vote et je vais mettre ce vœu aux voix. Et du coup, je peux faire qui est pour. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle que le prochain conseil aura lieu le 3 juillet. Je vous rappelle que vous êtes filmé jusqu'au bout. Donc, c'est juste comme vous, l'image que vous voulez faire apparaître de vous. Dès que ça sera fini, vous pourrez vous lever. Bonne soirée à vous.